Là, est-ce qu'on m'entend bien? Là, j'ai mis un peu de temps là parce que je faisais quelques trucs. Et le bot sur mon serveur Discord avait l'air d'être mort aujourd'hui, pour une raison que j'ignore. Et du coup, salut l'organiste! Comment ça va? Et on m'entend. Ok, nickel, attends, faut juste que je... Ah! Il n'y a plus le son. C'est normal. Il faut juste que je règle quelques trucs parce que j'ai mon proco qui a l'air d'être en feu. Il manque aussi... Ok. Je fais que paramètres à désactiver, activer, et on est parti. Tac, toi, tu dégages. Hop. Hop, et normalement, là, le proco, il devrait se calmer. Voilà. Alors, on est passé de 80% à 50%. Je pense que le proco, il va être un peu moins en feu. Du coup, tac, 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 et bah, voilà, stream. Nous sommes partis. Voilà, j'attends juste le rendu, enfin, le retour sur mon téléphone pour voir si le stream marche bien. Bah, il marche bien, ok. Nickel. Je sais pas par contre si le son ça rend bien. Donc faut pas hésiter à me dire hein, si jamais y a un problème, genre ma voix trop faible, le son trop fort, enfin le jeu trop fort ou ce truc genre. Et ça fait une semaine que j'ai pas joué donc je sais plus du tout où j'en étais. Excellent. La flamme qui danse, chapitre 4. Putain, j'en étais déjà chapitre 4. On va voir. Pike, tout est sur cette clé USB. Ah oui, la clé. Preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe, et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans une... On avait quoi déjà sur la clé? Merci. À toutes. C'était pas un plan en mode, oh, on sait pas, on montre pas spectateur? Ou je sais plus. Je me rappelle plus du tout. Oh, insane. Ah si, non, on avait des... Oui, c'est ça. C'est... L'explosion, c'était pour couvrir une autre explosion. Et apparemment, il y a moyen qu'ils enterrent quelque chose. C'est bon, je m'en rappelle. En âge d'enfanter, offrait des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries. J'y peux rien. On s'est débarrassé des parties, heureusement. Pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. On va devoir choisir, c'est ça. Un excellent moyen de lui dire « Eh, regarde une rose !» Regarde une rose. Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Ouais, c'est reparti pour la romance. Peut-être. Je verrai ça en bas. Est-ce qu'on va la rééclater au baby-foot ou pas? C'est la question. En attendant, je vais prendre la clé USB. Si je le fais pas. Non mais, elle, où est-ce qu'elle a foutu la clé USB? Je crois que je vais me limiter au démineur. Mais ouais, elle a foutu la clé USB cette conne. Genre, je dois quand même pas la chercher alors que... Oh là là, robinet qui fuit, ok. Attends, y'a pas des messages là par hasard? T'as dit quoi ici? Ah, ils essaient de cacher quelque chose, ok, donc ça c'est juste... Ils sont au courant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est en train de faire sa BD lui. Ok. Mais où cette putain... Ah, lave-la. Ok, prendre. Bon, il faut que je descende. Bah, des conneries qu'on peut faire. Attends, est-ce qu'il y a des nouveaux habits? Qu'est-ce qu'on va mettre? Le hot dog. Le hot dog, il est marrant, je trouve. Je veux ce t-shirt. Il faut vraiment que je descende au parc. Oh, on peut même pas aller sur le toit. Je me demande s'il y a une mise à jour. Est-ce que ça marche toujours pas ou... Je retenterai à chaque fois. Hein. À chaque fois que je passe devant cette bande à part, je retente. Je veux battre ce record. Bon, vais voir comment jouer. Ouais, donc Q c'est pour aller à gauche. Hein. Parce que moi ça marche pas, je... On va voir si ça marche cette fois. C'est tellement chiant. Moi. Allez, là j'appuie sur Q là. Ah, ça marche. What? Attends, pourquoi? Ok. Non, bah ça marche plus. What? Mais ça marchait! Mais what the fuck? Mais. Ok, bon bah. Bah fuck it, hein. Y'a moyen de. Non, bah je peux juste. Ok. Bah rip, hein. Ah, quoi? What? Je comprends rien. Pourquoi ça m'a. Quoi? Là, ok.
Je comprends rien. Là, je peux plus aller à gauche. Ok. Là, si je peux pas descendre, ok. Donc, là, je peux que démonter. Oh, très bien. Et là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué. Ok. C'est, ça marche une fois sur deux. C'est moi qui comprends pas comment jouer ou c'est le jeu qui est codé à la pisse? Parce que là, franchement. Ah, je peux pas mettre le chapeau. Bard n'a pas dit son dernier mot. Oh. Bah, dommage. Vous pensez qu'on va se faire DMC aujourd'hui ou toujours pas? Moi j'attends là le petit ban Twitch. Test, test. Check. 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 Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Il dit ça bien devant le micro. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je le silence gênant qu'il y a eu. Tout à l'heure, dans ah oui, c'est vrai qu'elle avait pété un câble. J'ai vraiment pété. Parce que j'ai absorbé les émotions. D'ailleurs, ouais, la meuf qui est devenue apathique, là, elle est toujours... J'ai entendu Gabe, j'ai des charges. Je veux dire, j'ai des charges. C'est quand même à cause de ça, en fait. Ces dernières semaines... J'ai cru que j'arrivais à maîtriser mes émotions. Mais après ce qui s'est passé avec Charlotte... C'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Mais laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Je dois... Quoi? Ah, parce qu'on a pété un trophée. Y'a vraiment pas de problème. Mais je te dois quand même un nouveau trophée. On se refera une partie. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais... Le Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. Et moi je vais enquêter, moi je vais aller dans la mine, je vais voir ce qui se passe. Je vais voir ce qu'ils ont enterré, moi. Je suis curieux. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. Ouais, bon, ils seront pas finis du tout, ils vont juste payer une grosse amende et puis ils vont repartir, t'inquiète pas pour ça. S'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant. Qui joue? Bah ça va être tous les coups. Cool. Qui joue? Un groupe local. Ah non, même pas. Tu vas adorer. Dommage. Ça aurait été marrant. Bah c'est toi, lol. Il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Et du coup, il va se passer un truc là. C'est que le chapitre 4, il y a un problème. Est-ce que je offrirai une rose à quelqu'un d'autre totalement, genre. En mode bat les couilles de eux. Ah, mec. Dame au bonbon. Hein? Compteur de bonbons, quoi? Bonsoir. Quoi? Ah, bonsoir, ça fait plaisir de te voir. Texto, c'est bon, lol, MDR. Tu prends ça très au sérieux? Ouais, c'est parce que le prix est une carte cadeau de 100$. Quoi? Ma mère vient d'avoir une promotion, alors j'ai pensé que je pourrais l'inviter à dîner. Mais c'est, sérieusement? Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix. Mais non, c'est adorable. Je peux peut-être t'aider. En gros. Pour de vrai? T'es doué. Si on peut offrir la rose à n'importe qui, je le ferai lui. Je crois qu'il y a de bonbons là-dedans. 300, 800, 800. Il y en a toujours plus que ce qu'on croit. Je dirais... Pitié, c'est qu'il y en ait 800. Par là. Ah. Ouais, peut-être. Je veux l'aider, moi. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez la dame au bonbon. Je devrais peut-être lire ses émotions. Ça veut dire qu'on se... Oh, ça va être génial! 800 et quelques, c'est pas mal. J'espère qu'ils baisseront pas le chiffre. Oh, yes! On est pas loin. Yes! Je devrais peut-être dire quelque chose. Yes! C'est trop bien! Oh,
démoralisant comme jeu. Pourquoi je m'inflige ça? C'est pour ça qu'il est triste. Je peux peut-être trouver un moyen de l'aider. Oh, je suis mort. Attends, du coup, est-ce que je peux... C'est impossible, non? Est-ce que je peux... Non, il n'y a pas à regarder, il y a à parler alors. Donc on va retenter. J'ai une autre Donc faut réponse. Que je pèse. En dessous de 800. Ouais. On va dire 700. Je pense que c'est plus proche des 700. Ouais. 700, ça a l'air bon. Mais il faut qu'on ait le nombre exact. Ah, oh, ça me fume. Je viens de sentir le cœur de la dame manquer un battement. Je devrais relire ses émotions. Ah, donc tu sens les cœurs, toi? Ils sont vraiment pas loin des 731. Allez! Qui, cette fille? Eh ouais, je connais ton secret. Laisse-toi. Oh, la triche! La réponse. Oh, la méga triche! 731. Me demande pas pourquoi. 731 bonbons. C'est... Ah oui, c'est ça. Ah yes. Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. T'es au top. C'est rien. As fuck. Ah yes. J'en reviens pas. Comment elle a su? Ça m'a pris toute une vie de traumatisme émotionnel. Let's go. C'est le meilleur festival de printemps que j'ai jamais vu. Je vais la buter. Et ainsi, la paix revint dans le royaume de Oh, je suis mort. Vous avez eu une sacrée chance, pas vrai? Ah ouais, une sacrée une chance. Super chance. Ah là là, je suis tellement châteux. Je te rends pas compte, hein. C'était l'an dernier. Ah, c'est Jed. Mais... On a passé un mois difficile. Mais le résultat en vaut la peine. Ok, bon, il est content déjà ça. C'est génial que la station de radio transmette en direct du parc. Il y a plein de gens contents. On se croirait presque à un mini Coachella. C'est le vraiment mini alors. C'est le meilleur moment de l'année, sans alors, problème. Son enthousiasme est carrément contagieux, surtout pour moi. Il a rien lui. Attends, c'est ok ouais. C'est Mac. J'ai écouté l'appel. J'avais oublié lui. Et je voulais te remercier. Je sais que t'as essayé de faire ce qu'il fallait. Je l'avais call, hein. Tu vois, il était bien dans le fond, t'inquiète. Je crois, hein. Et... Maintenant ? Je vais faire tomber Typhon. La compagnie tout entière. C'est pas que je doute de toi. Mais... En attendant... C'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Je vais rendre une ville au chômage technique. J'ai encore plein de factures à payer. Au chômage tout court, en fait. C'est pire. D'accord, mais fais attention. Tu peux trouver mieux, je sais pas. Arrête, Mac. Même toi, tu peux faire mieux qu'eux. Ouais, ouvre ta propre société minière. Tu t'inquiètes pour moi. Let's go. Étonnant que t'aies pas essayé de nous séparer. Oh. Voilà le Mac que je connais. Séparer qui? Hein? Bon, prends soin de toi. Je m'appelle plus. Toi aussi. Ah, il se passe quoi là? Quelques paniers de roses. Ah merde, faut que j'aille chercher des roses. Il se passe quoi là? Tata, ok. Est-ce que je peux jouer là? Non, je peux juste regarder. Oh, je suis deg. Oh putain, encore un message. Hypocrite. Hein? Peut-être passer un meilleur festival. Ah oui, c'est. Diane, c'est là, ok. Oh, les roses. Let's go. Est-ce que. Moi, je vais le donner au mec au bonbon. Hein. Je vais le donner au mec au bonbon. Hein. Si je peux, je le donne au mec au bonbon. J'en ai rien à foutre. Il est où le monsieur bonbon? Il est où? Attends, il est là-bas. Oh, je crois que je peux... Si! Pitié! Non? Parlez. Bah, parlez. Merci encore. Non! Oui, mais je vais lui donner... Je vais lui donner la rose, moi. Méga deg. Alors, on peut pas la donner à n'importe qui cette année. Me saoule. Ah tiens, pourquoi il est seul? J'espère que Riley va bien. Un jeune homme comme vous. Il est arrivé quelque chose à Riley? Ouais, il se passe quoi avec Riley là? En fait, je commence à être claqué. Bonsoir, Eleanor. Oh, il se passe quoi là? J'aime plus c'est qui Riley, hein, j'ai tout oublié moi. Allez, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. Dites-moi, où est Riley?
Je l'ai pas vue dans le coin. Eh bien... elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je crois qu'elle préfère rester seule ce soir. Je sais plus c'est qui, Riley. Riley, c'est celle qu'on a... c'est celle que j'ai absorbé les émotions ou pas? Chelou, tout ça. Je me demande si elle me cache pas quelque chose. Bah, laisse goulir dans ses pensées, hein. Ah non, beaucoup de... oh, je vais faire tout le dialogue et on la verra. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Allez, on picole, Monier. L'eau vie est bizarre, l'eau. Salut, Monier, comment ça va? Un maître de shot qui commence. Attends, on va vraiment picoler maintenant, je là plaisante. Oh, dommage. Ou pas. Oh, le ou pas avec l'air dépressif. Il faut que j'y aille. C'était malaisant un peu, non? Sans pour l'eau. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, non, tout est prêt. On okay. Non mais attends. Est prêt. Vous aussi. Pauvre Riley, à attendre son bus toute seule. Mais elle n'est pas au courant pour ma maladie au moins. Dieu merci. Riley est allée toute seule à l'arrêt de bus? Je me demande. Il est où l'arrêt de bus? Faut que j'aille à l'arrêt de bus. Nouveau dialogue débloqué. Ah, c'est avec elle le dialogue ou pas? Non, c'est pas avec elle. C'est de ma faute. Ah, ok, c'est ma faute. Et là, je peux lui filer la rose. Attends. Ah tiens, il y a une aura là. Bientôt les DMC, les gars. Merci. Voilà. Ce concert est au top. Ah, la meilleure conclusion, ça. C'est quelque chose. Merci, voilà. Bref, je m'appelle Izzy, elle c'est Steph, on est les Drugstore Makeup de Seattle, on a aussi des produits dérivés. Ok, alors, c'est l'histoire d'une jeune fermière qui vit dans la campagne en pays elfique. Elle part à la recherche de sa sœur qui s'est fait enlever des années plus tôt par une guilde. Merci de m'avoir appris à m'amuser à nouveau. Continue. On dirait qu'Ethan n'a pas été le seul à trouver l'inspiration avec le GN. On dirait qu'il y a encore pas mal de gens dans les rues. Il est où l'arrêt de bus? Moi je vais à l'arrêt de bus, hein. Rien à foutre de la fête là, je me casse. Non, maman, c'est pas une urgence. Je te quitte. Ouh. Je vais bien, je t'assure. Typhon n'est pas une boîte normale. Je n'aurais jamais dû venir ici. Tire-toi tant qu'il est encore temps, mec. Typhon est vraiment... je sais pas... Vendeuse de glace, ah. Est-ce qu'elle vend des glaces? Non, elle est contente. C'est des génies de la glace. Ah ok. On est les maîtres du monde. Continue comme ça. Ok, c'est ma faute. Ça va le Lego. Mais il est où l'arrêt de bus, putain? Nous ouvrons demain. Ok. Faut vraiment que je me reprenne pour l'ouverture, putain. Ils vont pas rester compréhensifs toute leur vie. J'ai pas dit. On est sensible aux offres de nourriture gratuite à Evan. Allez, vas-y, on va lui parler. Je veux bien un coupon. Pas de coupon, ma chère. Donnez-moi votre nom et je le retiendrai. Oh si, il oublie. D'accord. Je te fous Alex une tarte. Chen. Alex Chen. On ne s'est pas déjà parlé ce soir? Non. C'est qui, lui? Mais quel idiot, imprimer des coupons. Il a déjà oublié des noms, en fait. C'est une petite ville, je me souviendrai des noms, j'ai dit. Oh, Hubris, quand tu nous tiens. Ah yes, en fait, vous pourriez essayer de publier ça sur MyBlock? Ceux qui commandent bénéficient de l'offre. Oh, en voilà une bonne idée. Bonne chance. Ah dommage, on l'a aidé. Je crois qu'on en forêt pour dire ce genre de truc quand même. Il est où l'arrêt de bus? Il y a encore pas mal de gens sur la grand rue. La grand rue? C'était vraiment sympa ce GN. Ah, oula, ouais, oula. Mais elle me plaît quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Désolée pour toi. Fais chier. Je suis folle amoureuse de ce crétin. Qu'est-ce que je peux faire? On peut les pousser? Pardon. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Dites, embrassez-vous. Joli coup, vous entendez? Vous embrassez? Ah yes, allez, vas-y. C'est le festival du printemps. Et vous, vous êtes clairement attirés l'un par l'autre. Embrassez-vous, allez. Oh le malaise. Mais oui, allez. Ça se voit tant que ça? Salut. Qu'est-ce qui se voit tant que ça? Merde. Julia. Je veux pas tout foutre en l'air. Qu'est-ce qui se voit tant que ça?
Est-ce qu'on parle bien il de écoutait la même chose pas lui. Il est con lui. Si on n'était pas en plein milieu de la rue, je crois que je t'aurais déjà sauté dessus. Ah ouais, elle. Elle, ouais, elle est. Passer la nuit chez moi. La meuf cringe tellement. Ah, mais ouais. Je dis oui, carrément. Ah ouais, d'accord. Donc ils vont directement baiser. Ok, bah. Pardon. Bah salut, hein. Vous m'invitez. Putain. Ah oh, le truc malaisant quand même un peu. T'imagines, tu vas voir des inconnus dans la rue, tu fais embrassez-vous, lol. Quelqu'un à l'esprit, hein. Il faut que je me jette à l'eau. Qu'est-ce qui se passe là? Passer voir notre chérie aussi, elle a pris une rose. Ah oui. Oui, pour. Oui, la romance. Donner une rose pour la romance. Mais moi, je voulais donner ça au mec du bonbon et. Marche pas. Une bonne ou une mauvaise surprise. Elle est contente. Je pensais pas que le voir jouer à mon jeu préféré me ferait craquer. Mais. Pourtant, ça arrive. Eh, hey, mais. Ok. Y'a quelqu'un qui attend de l'autre côté du pont aux fleurs. Ouais, du côté du de l'arrêt de bus. C'est bizarre, hein. Oh là là, t'es qui toi? Excusez-moi. Toi, t'es personne, visiblement. Pas de dialogue, pas d'émotion. Elle n'est rien. Soit c'est un fantôme, hein. On n'est pas au courant, on voit des fantômes. Voilà, alors comment. Ouh, elle a peur. Me voilà. J'attends à l'arrêt de bus. Ah oui, parce qu'elle va changer de. Salut Brice. J'ai connu ça. La voilà. Oui, elle se casse, elle va à l'univ, non? Un truc en genre. Salut Rayleigh. Ah, salut Alex. Qu'est-ce que c'est tu fais? Pire moment pour partir quand même, genre c'est la fête et tout. Allez, je me casse. Salut les pecnos. On peut vraiment rien lui confier. Mon bus part ce soir et j'avais pas la force. Est-ce que je lui dis que. Je comprends. Comment dire? C'est pas sa mère, mais c'est comme sa mère, tu vois. Genre sa mère adoptive, on va dire. Elle a Alzheimer. La ville va beaucoup me manquer. Et ma nanou encore plus, évidemment. J'espère juste que nanou va bien. Elle est en bonne santé, mais. Je me demande si c'est une bonne idée de la laisser seule. Eleanor cache sa maladie. Mais je pense que Rayleigh aimerait savoir. Oh, yes, le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je lui dis, hein. Je pense qu'il faut lui dire quand même parce que c'est chaud, hein. Oh, ça va tellement foutre la merde entre les deux d'ailleurs. Elle va m'en vouloir as fuck, je lui dis. La Eleanor. Bon, elle aura oublié, c'est bon. Rayleigh, il faut que je te dise quelque chose. T'inquiète, elle oubliera. Bon, c'est justement. Une longue histoire. Mais pour résumer, j'ai appris qu'Eleanor avait Alzheimer. Je suis désolée. T'inquiète, ça passe, hein. Ça fait un sacré choc, je sais. Oh mon dieu. J'avais des doutes, mais. C'est le pire. Mais quoi? Il faut bien qu'elle le sache. Hein? Moi, le seul truc qui me retenait de la savoir, c'est que Eleanor après me ferait la gueule. Mais après, Eleanor, elle oubliera en fait. Donc ça ira. Bon, là, ok, je suis le pire. Merci énormément, Alex. Ça a pas dû être facile de me le dire. Pour moi, elle me remercie déjà, ça. De rien. Mais par contre, non, mais casse-toi en vrai. Bonne chance. Genre, Eleanor, elle a. Genre, il y a des gens ici qui peuvent l'aider en fait, Eleanor. Y'a pas besoin de toi. Non, mais tu peux quand même aller. Genre, tes rêves, quoi. Genre, enfin. Enfin, tu sais, Alzheimer, c'est. Enfin. Genre, ok, c'est chaud, Alzheimer. Mais c'est pas genre. Elle va pas mourir du cancer, par exemple. Genre, il y a des gens qui vont l'aider ici. Et y a pas que elle, en fait. Enfin. Ah bon, bref, hein. Faut avoir foutu la merde entre les deux. Tu sais, je vais revenir, je vais voir Eleanor en pleurs. Let's gong. Est-ce que j'ai reçu un message? Non. Dommage. Ah, le concours de bonbons. Le concours de bonbons, félicitations de gagnant. Hector, merci Tilde de m'applaudir. Le mec. Je croyais que c'était juste menu, normalement, oui, mais on a eu un chiffre exact. Let's gong. Ah, comment ils vont? Ah, bah ils sont contents maintenant. Bah dis donc. Chez elle, ce soir. Bonne chance pour tenir jusqu'à là. Je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est ça, fonce. Ok. Ça va baiser sec ce soir.
Mais gros malaise quand même, hein. Ne faites pas ça. Ça marche pas comme ça à la vie. Tu vas pas voir les inconnus en disant hey, embrassez-vous, lol, et ça marche. Non, non, tu fais pas ça. Vas-y, on y retourne. La rose peut attendre, mais je devrais la donner avant que le spectacle ne commence. Yo, c'est mieux de baiser moite que sec, ok? Ah oui, parce que j'ai dit baiser sec. Oh putain. Yes, salut Zoren, comment ça va? Attends, je vais aller filer la rose à Steph. Parce que je l'ai éclaté au baby-foot, pour m'excuser, tu vois. C'est pour toi. Celle-là, elle est allergique. T'es sérieux? S'il te plaît, sois allergique. Bah ouais, bien sûr. Dommage. Week-end à la cool. Ouais. Meuf. Franchement, merci. Je vais trop passer une bonne soirée. Bah c'est juste une rose, hein, calme-toi. Ça me fait plaisir. Dis, on peut se voir après le concert? J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Dit-elle d'un ton énigmatique. Bien sûr. D'ailleurs, Ryan devrait bientôt avoir fini. Ah mais il a fini depuis longtemps, hein, il y a eu le SMS. Hein. Ouais. Moi je fais juste mon petit tour de la ville là. Est-ce qu'il va se passer un truc parce que... Là tout se passe bien, tu vois, genre là on a limite gagné en fait. Donc il va se passer un truc. Hein. C'est là qu'il faut venir. Hey. Ah, il se passe quoi au téléphone? Désolé. Hein. Hey, attends. Attends, c'est quoi, Shaq Steven? Blablabla, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, une soupe et une salade gratuite. Ah, c'est le mec que j'ai dit, ok. Oh putain, le nombre de commentaires qu'il a eu. Oula, ça a du succès, Jack. Pas ce matin, je vous offrirai à boire. Oh bah dis donc. Comment vraie invitation avant les gens? Le pire, c'est que c'est vrai. Alors, qui joue? Ton humble servante. Sérieux? Ah yes. C'est génial. Mais avec qui? Mais du coup j'avais raison. Non? Steph. Non, j'avais vraiment raison. Avec qui tu joues? La peur sur le garde. Oh mais ce plan! Oh cette scène était magique! La transition! Oh c'était parfait! C'était parfait! Se dégonfler c'est très sain comme attitude. On n'a même pas répété. On s'en fout! Tout le monde est bourré de toute façon. Joue ce que tu veux, je te suis. Oh yes! Ça va être génial, tu verras. Ah cette transition était magique par contre, hein. Juste la coupure! On n'a jamais joué ensemble et... Bonjour, je me chie dessus. Enfin... Désolé si c'est à chier. Mais tu dis pas ça! Mais merde. Je me demande si la version DMCA, le passage live doit être quand même vachement triste, non? La version DMC est free, là où il n'y a pas les musiques. Putain, je le dis souvent, mais ça, c'est quand même mieux avec la musique, hein. Au pire, je me fais ban. Et alors? On aura passé un bon moment. Belle qui joue. Ah bon? Ouais, non mais toi tu connais la musique donc tu sais que c'est pas les... Non mais après, les mecs vont pas se faire chier à faire l'animation parfaite, hein. C'est pas un jeu, c'est pas... Voilà. Des screens de Tierfi, profitez les gens. Ouais, profitez, hein. Et comme elle l'a dit, tout le monde est bourré, donc bonne Twitch. Pas bonne Twitch. Genre en DMC, sa passion ça devait être le air guitar. Ah, attends, il y avait une scène de air guitar. Il n'y avait pas de musique.
Au début, il y avait une scène. Genre, j'ai parce que j'ai vu un clip justement de ce passage et j'ai laissé la version DMCA, donc la version sans musique, juste à ce passage parce que je voulais me taper des immenses barres. Et il y a vraiment un passage où ils mettent de la musique et ils se tapent un délire en mode air guitar, air piano et compagnie. Mais la version DMCA, il y a zéro musique et t'entends les bruits sur le plancher, tu les entends marcher en fait. T'as tous les bruitages sauf la musique. Je jure, c'est incroyable. Je te promets, c'est insane comme passage. Ça doit être facile à trouver sur YouTube ou je sais pas quoi, tu tapes genre, je sais pas, Life is Strange, Air Guitar, DMC ou je sais pas quoi, tu devrais retrouver, mais le passage, parce que t'entends vraiment le parquet qui grince, les bruits de pas et tout. Salut, Charlotte. Bruit définissant le cringe, c'est ça. Mais c'est même pas cringe en fait, c'est même pas malaisant parce que tu sais, c'est censé y avoir une musique. C'est juste des immenses barres parce que... Je parle du lac. Voilà quoi, c'est juste incohérent. Et je me demande s'ils ont fait exprès ou pas en fait. S'ils ont fait exprès de vraiment couper les musiques en mode on va mettre des passages qui vont devenir nuls à chier. Horriblement mal cette pour critiquer prime. Justement le fait que le DMCA bah ça pue la merde en fait les gars. Ou alors si vraiment ils ont fait en mode grosse feignasse et on va juste enlever les musiques etc. Je me demande hein, c'est... Mais maintenant... Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. C'est comme quand t'as une jambe endormie. Ah oui, c'est elle que j'ai endormie. Ok, c'est si endormie, celle que j'ai absorbé l'émotion. Ok. C'est comme si elle faisait plus partie de toi. Ouais, je lui. Toute ma vie, j'ai eu des émotions intenses. Est-ce que je l'ai rendue apathique en fait? Peut-être. C'est ça, hein, c'est apathique quand t'as plus des... quand tu ressens rien. C'est mieux comme ça. C'est peut-être pas plus mal. David Goudenoff. Non, je vais quand même dire je suis désolé parce que... Charlotte. Moi, c'était juste une expérience à la base. Désolé. C'est pas désolé de tout. Quoi? J'ai jamais voulu que toutes ces histoires arrivent. C'est beaucoup moins. Moi non plus. Ah, apathique, c'est pas rien du tout, c'est beaucoup moins. Mais je crois que qu'elle est un peu comme ça. Je crois qu'elle est pas vraiment en mode je ressens rien, quoi. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a reçu des émotions de intenses, et là elle a reçu. Je crois qu'elle reçoit plus. Enfin, j'ai pas tout suivi en même temps le dialogue. Je suis en train de parler. Je sais pas si vraiment c'est devenu un zombie ou si vraiment juste elle est apathique, quoi. En mode apathique, comme tu dis, beaucoup moins. Alors. Ah, ok, on va sur le toit. On dirait que Steph veut qu'on se retrouve sur le toit. Ça va être la suite de leur romance. Je dois admettre que c'est génial comme sensation. Et Sgong. Attends, mais on s'était payé où là? Où est-ce que je suis? Attends, what? Ah, c'est là, oui, c'est là. Faut que je vois combien ça coûte un fond vert pour m'acheter un vrai fond vert parce que là, mon truc Nvidia il a l'air de déconner un peu avec le leak en fond. Ça peut être sympa en vrai fond vert. Alors est-ce que je peux piquer dans le... Il est pas là le... Il est pas là le barman. Est-ce que je peux piquer dans... Bon de qualité. Ah, Jed a acheté ça pour l'offrir aux habitués. Et... Non je peux pas piquer dedans. J'imagine. Je peux même pas piquer dedans. Oh. Vas-y, moi je me tape en dire, je mets de la musique. Voilà. S'il y a des trucs à faire ici ou si c'est juste lol, vas-y, passe. Attends. Ça doit coûter une blinde. Attends, merde, de quoi ça doit coûter une... Ah, un fond vert. Ouais. Il est marron en vrai ton t-shirt du Mondo Cinematic Universe. Il me semble qu'il est... Ouais, il est un peu marron, ouais. Enfin, marron. Je sais pas trop, je dirais marron-violet, tu vois, un peu entre... Non, c'est pas très... Genre, niveau couleur, je suis une grosse merde. Non, ça doit pas coûter une blingue, attends. Ça doit pas coûter... Ah non, ça doit pas coûter une blingue. Oui, le pas, je l'ai pas lu. Bizarrement. Ouais, c'est... enfin bon, c'est quand même... Il me semble que les fonds verts... Enfin... Ouais, si je prends un fond vert genre de merde ou c'est juste le drap... On dit Bordeaux. Ouais, c'est ça, c'est Bordeaux. Merci, Monnier. Ouais, c'est un t-shirt Mondo. Et j'ai aussi un t-shirt PCR d'aigle. La base, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le bar est fermé, mec, hein. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas pareil sans toi, Tabitha. Ça ne l'a jamais été,
et ça ne le sera plus jamais. Tabitha ? On dirait que Ducky a ses fantômes lui aussi. Il doit être là, mec, il est fermé le bar, hein. Dites, Ducky, qui est Tabitha ? Oups ! Vous voulez m'en parler ? Oups ! Tu sais, Alex, sur ce sujet précisément, je n'ai pas grand-chose. Il est perdu, j'ai l'impression, bah. J'ai envie de dire, il est vieux, quoi. D'accord. Sans pour être méchant. Ok, bon bah. Je suis sûr que je peux en faire plus pour aider Ducky. Je. Allez, attends. Allez, on va l'aider. Mais c'est malaisant quand elle fait ça. Tu fais pas ça devant un mec, genre. Attends, bouge pas. Tellement de jeux de mots à faire avec une question pareille. Qu'est-ce qui se passe? Oula oula. On devient dépressif là, je crois. Ah, l'ours. C'est tout? Y'a que l'ours qui chignote? Bon. Dis-moi ce dont j'ai besoin pour l'aider. Ok, bon, on va parler à l'ours, hein, j'imagine. C'est moi qui l'ai sculpté, vous savez. Reginald McAllister III. Ducky pour mes amis. Tabitha Baker. Appelez-moi Tabs. Ok. C'est tout? Ah bah oui, forcément. C'est bon, il y a un... Non, c'est un reflet rouge de néon, c'est tout. Attends, attends, ne bois pas! Regarde au fond du verre. Quoi? Qu'est-ce que tu... Oh, de qui? Elle est superbe. T'as une demande de mariage, ça? Baker. Ah oui, c'est ça l'est, ok. Veux-tu m'épouser? Après, ça serait gênant, ça, si tu fais des demandes de mariage comme ça, en mode la bague au fond de la coupe, et puis bah que l'autre elle s'étouffe avec. J'en sais. Joyeux anniversaire de mariage, mon amour. Ah bah voilà ce qu'on va faire, on va mettre de la musique. 30 années de plus. Et 30 festivals de plus, si on tient le coup. De qui? Tu seras encore là quand la ville n'existera plus. Ah, il est si vieux le mec. Non, y'a pas. Ah si, on a la musique. Chanson. Faut qu'on la retrouve. Pauvre Ducky. Je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Bah oui, on met la musique. Allez, allez, allez. Comment? Non, faut que je refasse un coup de... Joyeux anniversaire de non. Mariage. Non, je peux même pas passer la scène. Ok, bon bah. Les secondes, hein. 30 festivals de plus, si on tient le coup. Ducky, tu seras encore là quand la ville n'existera plus. Tellement vu, il a connu Michel Drucker. Michel Drucker. Alors, mais je peux pas... Non mais, du coup, faut que je retourne aller lui parler. C'est con. Je sais qu'il faut déjà utiliser le jukebox. Pourquoi j'utilise pas déjà le jukebox? Bon, enfin. Et c'est motiser le jukebox. Allez, on va aider. Ok. C'est une soirée difficile pour vous, n'est-ce pas? Le festival du printemps. C'est vrai. Go danser, hein. Allez, les zongs, hein. Donnez-moi un instant. Putain, avec l'ambiance super triste, ça rend assez mal, hein. On va pas se mentir, quand t'essayes de raconter des gens que t'as l'ambiance méga triste et creepy derrière, ça rend assez mal. Bon, avec la musique, ça rend mieux, là, maintenant. Mais il y avait une scène, la scène du baby-foot, au début, là, ça rendait assez mal, hein. Quand t'étais là en mode je suis super heureux de te défoncer à e-foot, mais que t'avais une ambiance ultra creepy et triste à faire. C'est votre chanson? On danse? Je suis chelou. Je connais parfaitement ta vie. On va se le taper. Bah écoute, là j'ai dragué une meuf là, si tu veux on se fait un petit plan à 3. Tu sais, elle lui sort ça comme ça. Pour te remonter le moral, allez. Mon petit gars. Aider, c'est ça. Tu sais, je l'aide, mais c'est juste pour avoir un plan à 3 après en fait, c'est tout.
Ça leur montrait le moral en même temps, donc ça l'aiderait vraiment, tu sais. Imagine, il est trop pris dans ses souvenirs, il commence à essayer de l'embrasser, tu sais. Le bon gros malaise. Ban incoming, c'est ça. Je me demande si je dois faire quelque chose aussi. Non, je crois qu'il faut. Ouais, ok, fallait que. C'est ce qui me rappelle le plus ma femme. Ce n'est ni la chanson, ni le festival. C'est toi, glou glou. C'est le fait que tu as pris le temps de t'occuper d'un vieillard triste. Tout simplement. Ah, si, si, pour c'est bien. Le monde c'est toi, un lol. Pénible. C'était tout taps. Désolé, j'ai plus de rose. Merci, Alex. Je pense que je suis un peu mieux disposé à me joindre aux autres. Tout le plaisir est pour moi. Amusez-vous bien. C'est ma réplique, ça, salope. Bon, bah, dommage. Pas de plan à 3 ce soir. Qu'est-ce qui se passe là, assiette de sable, regardez. Alors, je suis la serveuse, hein, et c'est moi qui débarrasse les tables, je regarde, ouais. C'est tout. Pas ce soir. Moi, flemme. Yes. Ah, qu'est-ce que... Oh, la montée à l'étage. On va directement aller sur le toit, ou on fait un petit tour du proprio ? Il va aller se jeter d'une falaise maintenant. Imagine, mec. Imagine. Ah, on va directement sur le toit, ok. C'est notre tour de baiser ? T'as dit que t'avais une nouvelle à m'annoncer ? Je m'en vais. Ok. C'est décidé, je quitte Haven Springs. Tu le crois, ça ? Je reprends enfin la route ? Oh putain, enfin ! Non, sérieusement ? Je vais recommencer à jouer, Alex. Je vais aller partout où je veux. Oh putain, j'avais oublié quel bien ça faisait. Ça craint. Le pire. Allez, vas-y. Oh, putain, Steph, c'est trop cool. Je suis tellement contente pour toi. T'as intérêt à donner de tes nouvelles. Tu crois te débarrasser de moi aussi facilement? Arrête, Chen. Il me faut une nouvelle destination. Et t'es mon porte-bonheur. C'est moi qui vais choisir Walla. J'ai vraiment des goûts de chiottes en matière de porte-bonheur. Ferme-la. Ah yes, on choisit, ok. Choisis. Ah mais on choisit même pas sur le monde, si on doit choisir entre trois. Oh c'est dommage, moi j'aurais bien dit un endroit de merde, tu vois. Alors, l'océan. Bah ouais, l'océan, hein. Go. Ouais, go dans l'océan, moi je dis, hein. Waouh, bon choix. Allez, dis-moi tout sur ma vie en plein océan. Ouais, tu vas rejoindre Bob l'éponge, là. Labo marin. Pff, ouais, allez. Tu pourrais aller bosser dans un labo de recherche sous-marin. Ok. Peut-être en tant que... ingénieur principal en acoustique sous-marine. Va falloir que tu m'expliques. Réfléchis, meuf. Les sons qu'on peut enregistrer là-dessous seraient genre complètement inédits. Je pourrais innover, créer un nouveau genre. Le deep core. Le wet step. C'est un plan plutôt spectaculaire. Parfait. Ouais. Alors viens avec moi. En plein milieu de l'océan ? Oui. Ah ouais, grave. Moi, je veux voir Bob l'éponge, moi. Pas forcément notre premier arrêt, mais on ira. J'ai encore des amis à Seattle qui engagent des musiciens. On pourrait commencer par là. Ou, je sais pas, Kansas City ? Vegas ? Il va 100% se passer une merde, hein. Cela, tout va bien, tu sais. Écoute, je veux pas te mettre la pression, mais je t'ai vu tout donner pour que d'autres aient ce dont ils avaient besoin. Et j'ai fini par me demander si t'avais pensé à ce que toi t'avais besoin. Je veux dire, très clairement, je t'aime beaucoup. T'es
tout pour moi, putain. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je vous laisse choisir, moi. Let's go. Je vous laisse choisir, il y aura un silence malaisant le temps que vous choisissez pas. Le silence malaisant qu'il y a en ce moment là. Non, y'a personne qui choisit, les gars. Vous êtes tous passés. Qu'est-ce qui se passe là? Où est passé le chat ce soir? Est-ce qu'on arrivera là? Faut pécho. Bah ouais, faut pécho. Moi je suis d'accord pour ça, vas-y. Je me demande si on peut arriver jusqu'à la fin de la musique sans rien faire. Est-ce qu'on peut laisser un silence malaisant comme ça? Pendant genre, c'est ton choix ça. Mais non, mais mec. Est-ce qu'il y a moyen de laisser le silence malaisant jusqu'à la fin de la musique? Ou est-ce que la musique elle répète en boucle? Oh le malaise, vas-y c'est bon. On pécho. Oula. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ah yes. Oh j'aurais dû faire le câlin finalement, ça aurait été marrant. Embrasse-moi, allez câlin. Je pense qu'on pouvait déjà voir les émotions en fait avant de faire le choix. Oula. Oula. C'est le pouvoir de l'amour ça. Ça a commencé sur une partie de baby foot hein. Et je lui ai éclaté la gueule. Je dois le rappeler. Pas obligé de décider maintenant. Ok. Imagine, je dis non, enfin, quoi. Réfléchis-y. Le pire. D'accord. Merci. Ça pécho à mort à Heaven Spring, c'est ça, mec. Ça pécho dans tous les sens, là. Y'a un autre fou qui va baiser ce soir, là. À plus tard. Alors, je suis en train de voir mon retour de caméra, je vais aller essayer de voir s'il n'y a pas moyen de régler le problème là, parce que. Il a l'air de capter mon oreiller comme étant une partie de moi. Je modifie mon profil sur. Mythique, fan de baby foot. C'est ça. Comment pécho? Tu te fais défoncer sur baby foot. T'inquiète. C'est mon conseil. Je me demande s'il y avait une romance possible avec l'autre gars aussi. Parce que l'autre gars, j'ai pas trop poussé, tu vois. Dis, Gabe, en même temps, j'ai pas joué au baby-foot avec l'autre mec, hein. Je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris. Pourquoi t'es mort? Qui est responsable? Est-ce qu'on coupe le truc? C'est ou parce dingue, que je crois que là, ça va être une scène. Les scènes zen où, tu sais, il y a la musique, là. J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrible. Du coup, le jeu est fini, là? Non, je crois pas. Hein. Il va se passer de merde, à mon avis, hein. Ça fait que 4 chapitres, hein. Après toi. Ça fait que 4 chapitres. Reste. Une vie normale. Cette fois-ci, ça marcherait. Le baby foot. T'inquiète. Comment faire? Allez. Il va se passer une merde, à mon avis. Hein. Sinon, c'est vrai que ça soit déjà la fin, en fait. Même si c'est plus long, la fixe reine, il me semble. Ou alors, non, il y a peut-être que 4 chapitres, j'en sais rien. Ça fait quoi? C'est quoi nos streams que je fais dessus? Attends. C'était déjà assez long, je crois, en fait. Sauf que c'était vraiment la fin. Mais généralement, c'est. Il y a toujours un. Tu sais, il y a toujours un rebondissement à la fin en fait. C'est papa fait finir en mode. Tout se passe bien, lol. Oui. J'aurais lu les ripoux peut-être. Peut-être un bon ripoux là. Le plan secret, la dissimulation. Oula. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Alex. Prends pas les choses difficiles.
J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival. Pas vraiment, non. Pourquoi il a balancé directement ça à la police en même temps? Genre t'as volé un truc, évidemment que tu vas aller... Je peux avoir une pierre. Allez, allez. Je peux avoir une bière? J'aurais essayé. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Enfin, c'est évident un peu. C'est n'importe quoi. Allez, vas-y, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai, je l'ai juste retrouvé comme ça. J'ai rien fait de mal. C'est eux les criminels. Il fallait pas balancer ça à la police directement en mode salut, c'est moi. Viens me chercher là, j'ai la clé. Faut-tu balancer aux médias, tu fais pas. C'est évident qu'ils vont te porter plainte. T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? C'est évident. Désolé. C'est putain. Oh, le retournement de situation nul quoi. Faut que tu regardes comment c'est. Mais pourquoi c'est évident? C'est un flic, il a juste pas le droit en fait. Genre non plus, il avait pas le droit à la base de faire ça, genre c'est. Merde quoi. Putain, elle est juste conne. Non. C'est faire taper par le DMCA. C'est ça. Shit bio là. C'est pas une clé USB, c'est un trafic de stockage amovible. Hein? L'ordre est arrivé. Si, c'est une clé USB quoi, non? J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Bah, les preuves sont là, sauf que c'est des preuves irrecevables quoi, parce que c'est du vol. D'ailleurs, c'est complètement débile ça, je trouve, mais. C'est comme ça qu'est la justice, et c'est évident que ça allait se finir comme ça, que ça allait. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle a demandé ça? Pourquoi elle a. J'ai des preuves, vas-y, j'ai des preuves. Je les ai, les preuves. Juste là. En fait, le retournement, c'est que c'était. Ça ne change les clés de sa voiture. Mais c'est des preuves irrecevables. C'est. Putain, pourquoi elle a. Écoute. Elle est conne! Ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était. Bah, c'est pas ça qui t'a rendu conne, visiblement. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Putain. Ouais. C'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que. T'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. Il va. Oui, voilà. Je comprends. S'il vous plaît. D'accord. Je comprends ce que tu me dis. Je suis désolée d'avoir volé la clé, mais... Présenter tes excuses ne va pas... Fallait juste balancer ça aux infos, c'était fini, quoi. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Est-ce que moi, elle a fait une copie des clés? Est-ce que moi, elle a fait une copie de la clé? Te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime. Mais bon, par contre, non, s'il te plaît, c'est pas fraude informatique, là. 5 à 10 ans, facile. Non, mais c'est pas fraude informatique non plus, genre... Alors ça, c'est comme ça s'appelle dans le milieu, mais genre, c'est juste un vol, en fait, hein. C'est juste un vol, on va pas se mentir. Diane peut se... Allez, on va insulter Diane. Let's gong. Tu sais quoi? Quel catin cette Diane quand même. Diane peut aller se faire foutre. Vas-y, viens, on va insulter Diane. C'est pas ça la justice. C'est n'importe quoi. Bah si, enfin oui, enfin c'est pas, oui, c'est pas ça la justice, mais la justice actuelle, c'est ça, ouais. Moi aussi, je suis contre ça, mais fallait s'y attendre. Putain, elle est conne. Et même si elle est en colère contre toi, j'en ai marre. Elle va abandonner les poursuites. Ah ? Ah ? Si tu acceptes de tout laisser tomber... Ouh. Typhon ne portera pas plainte. Ouais bah oui, mais t'es conne quoi. Ça veut pas dire qu'elle est coupable. Bah, enfin... Ça veut clairement dire qu'elle est coupable, mais bon... Vas-y, pourquoi faire un marché ? Demander. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Ah, ça classerait l'affaire carrément, donc il n'y aurait même plus de... Il n'y aurait même plus d'enquête en fait. Je signerai rien. Ah, je... Même pas je le choix en fait, Alex, là je le choisis pas. Typhon a dissimulé quelque chose. Ok, connasse. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe. Et ouais, c'est ma bite. L'explosion rien que pour désolé. Se couvrir. Je suis désolé pour cette blague. T'as pas envie de savoir ce que c'est? Comment ça, pour se couvrir? Il faut juste aller à la montagne. Hein. Secrète qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Après, qu'est-ce qui m'empêche de signer le contrat en mode ouais, t'inquiète,
J'arrête, mais de continuer quand même, genre aller à la mine et puis découvrir le truc, quoi. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Ah, est-ce que je vais voir le show? Non, Alex, j'ai toujours pas le pas choix. Une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Ah, il a peur. Il a peur. Mais non, c'est ce qu'il a peur pour moi ou est-ce qu'il a peur pour lui? Qu'est-ce qui te fait si peur? Ils ont ma famille en otage. Les mecs très bizarres, c'est. Vois par toi-même. Oh. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Oh, je le sens mal. Oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, Typhon, meaning évaluation de menace. Donc c'est moi. Sentiment anti-typhon. Sentiment anti-typhon. C'est quoi ça? Son vrai Gabriel Chen est mort lors d'un accident lié à une activation effectuée par Typhon meaning. Ok, évaluation, information confirmant sujet, le sujet extrêmement terminé et efficace. Sentiment négatif ont persisté après la période de deuil anticipé. Le sujet semble également en possession de données informatiques confidentielles. Ok, action immédiate nécessaire. Non mais par contre, c'est... tu parles pas... Enfin... c'est quand même chelou comme dossier là. On dit vraiment genre un truc scientifique là. Agence... Ah ok. Détective privé carrément. Et la chambre de menace, tatata. Et comment ça suit le sujet après qu'elle ait rencontré McLaudin? Le sujet a rencontré un homme identifié comme étant Ryan Lucas. Lucan. Je sais pas comment ça se prononce. A d'autres à signaler. Le sujet a passé 3 heures dans son appartement. La surveillance d'écran par Wi-Fi révèle des recherches sur l'historique de sur l'histoire de Typhon. Le judiciaire passé. Le sujet a rencontré la cliente et lui a parlé de Black Lantern. Il semble que le sujet ait volé un objet à la cliente. Ah non, il me suivait même avant en fait. Avant le coup de la clé en fait, il suivait. Ouh. Ouh là là. Attends mais. Ah, Lucan. Sentiment anti-Typhon, son avis. La photo là. Attends. Son ami proche, Jeremy Chen, est mort lors d'un accident lié à une détonation effectuée par Typhon Manning. Évaluation aide Alexandra Chen dans sa croisade contre Typhon, impliquée et extrêmement bouleversée par l'accident. C'est une essence connaissance de la géographie des raisons de Haven. Priorité de menace 1, action immédiate nécessaire. Comment ça, action immédiate nécessaire? Attends, mais action immédiate. Parce que moi, ok, ils ont quelque chose pour me foutre en taule, mais eux, comment ça, action immédiate nécessaire? Du coup, elle aussi? Action immédiate recommandée. Son ami proche, Gabriel Chen, est mort lors d'un accident. Aide Alexandra Chen dans la croix d'antifonce s'est avérée ingénieuse et dangereuse. Priorité de menace 2. Attends, priorité de menace, c'est croissant ou décroissant le truc? Parce que des fois, tu sais, quand c'est priorité de menace 1, ça veut dire. Ouais, priorité 1, c'est priorité le plus élevé en fait, donc non. Donc elle a moins à craindre que nous en fait. Ouais. Parce que là, c'est recommandé du coup. Immédiate. Ouais, là, c'est recommandé et là, c'est nécessaire. Ok, ouais. Ok. C'est une menace. Mais une menace de quoi? Tu t'attendais à quoi? Ouais, ok, y'a un détective privé qui me suit, mais donc. Multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent: c'est bon, tu nous as eu. Je pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben. Typhon a sa propre conception de la justice. Merde. Et du coup, depuis le début, il y a un détective qui nous file, quoi. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payer. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi. Si tu veux, traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Donc il a peur pour moi. Il a une peur bleue de Typhon. Je parais que si j'absorbais sa peur. Let's gong! Attends, on va devenir un Super Saiyan à la fin. Là, j'ai déjà la rage de Charlotte. Et là, on va voir la peur! Let's gong! Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne? Moi, je dis let's go, hein. Moi je dis let's go. Et moi je dis let's go. Pour le risque d'absorber la peur de rêve, signer la. Après, signer le machin. Au pire, je signe, mais je continue de foutre la merde derrière. Mais prendre le risque d'absorber la peur, ça peut être marrant. En vrai. J'aime le risque, moi. Let's go. Oh, je vais tellement regretter.
Oh, je vais tellement regretter. Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain. Depuis toi, ton petit crétin. T'es un merdeux. Typhon est une grosse boîte. Typhon ne perd jamais. Typhon fait disparaître les gens. Qui se fasse tuer s'ils veulent? Mais pas toi. Il va tellement avoir des morts à cause de moi. Oh yes. Oh, je suis le pire. Je sais que t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est... Bah non, t'as plus peur justement, je viens d'absorber ta peur. Trop déconne, elle. Intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Mais j'ai besoin de ton aide. Eh vas-y, pour Gabe. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut donner des émotions? Putain. C'est le step au-dessus, ça. Pour l'instant, on absorbe. Est-ce qu'on peut donner après? Est-ce que je peux lui donner de la rage? Est-ce que je peux... En vrai, si je lui donne de la rage, là. Merci. Un petit coup de rage. Tranquille. Allez, casse-toi d'ici. Sérieux? Ah, je suis une fugitive. Alex. Mais c'est des morts pour la justice et la vérité, c'est pas grave. T'inquiète. Surtout si c'est des personnages secondaires. Mais c'est des personnages principaux. C'est justement les personnages principaux qui vont crever. Les trois menaces qu'on a eues, c'est moi, Steph et le mec... J'ai oublié son nom déjà. Parce que c'est pas le Love Interest, donc j'ai oublié son nom. Oh. Ah, c'est Jed, ok, vas-y, on va aller voir Jed. Je sais que c'est Jed, mais je vais dire Jed, c'est rigolo comme nom, je trouve. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Ah yes, yes, la peur. Mais elle est devenue quoi, la rage que j'ai absorbée du coup? C'est bizarre ça quand même. C'est vraiment le pire idée d'expérimenter avec ce genre de pouvoir quand même. Hein. Mais bon, moi je suis là pour ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Oh, c'est la prochaine émotion qu'on va absorber, ça, c'est la tristesse, non? Tu es triste? Arrête. Le titre de jeu vidéo 1, pécho, 2, faire ce qu'on fait la justice, tout pété. Non, mais 1, tout pété, je suis désolé. Ça vient en premier, tout pété. Est-ce qu'on a des trucs à voir dans le coin? Oula, qu'est-ce qui se passe sur le téléphone? Quel festival! Nous avons mangé, bu. Ok. Journal, il se passe un truc. Oh. Ouais, bon, Osef. C'est quoi les souvenirs, là? What? Ah, c'est les... Ah, ok, j'ai une collection de souvenirs, donc... Très bien. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a là? Merde, elle a dit quoi? Je dois faire un truc, là, ou... Faut que je me change. Ah, d'accord, merci. Putain, elle me répond, c'est pratique. Oh, je peux pas choisir les habits? Je veux choisir, moi. Non, je veux choisir! Autant aller parler à Jed maintenant. Je me sens pas aussi bien que j'en ai l'air. Je voulais choisir. Parce qu'elle a peur qu'elle me laisse pas choisir? Est-ce que je retente? Non. Y'a pas eu de mise à jour. Y'a rien à voir. Allez, on va. Ah oui, c'est Jed. Oui, j'ai déjà oublié Jed. Putain, faut qu'on aille voir Jed. Let's gong. Est-ce que je vais péter un plomb devant Jed du coup? Genre je vais avoir peur et tout. Te voilà. Oula, il a l'air vénère. Oula, merde. Quelque chose me dit que ton festival du printemps a été plus mouvementé que prévu. T'as vu que Pike m'avait arrêté. Et te relâcher, on dirait.
Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. Non. Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Bah non, la preuve que non. Mais Evan est une communauté soudée. On s'entraide ici. Bah oui, justement, c'est pour ça qu'on était trois. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, c'est pas tant ce qu'il dit, le gars. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Bah ok, bah let's go. Ah mais ça le mettrait en danger. Ça le mettrait en danger as fuck. Qu'est-ce qui me reste à perdre? Bah, je viens de le dire, mais ok. Boire un shot. Oh, est-ce que je bois un shot? Oh, je vais boire un shot, moi. Ouais, mais il faut lui dire. Est-ce qu'on peut lui dire après avoir bu un shot? J'ai envie de boire un bon gros shot, là. Vas-y, allez, Typhon, au pire, on le boit après. Typhon a tué Gabe. J'en ai la preuve. Quelle preuve? Bois. Il est allé à Diane. Des mails et des documents qui prouvent qu'il y a eu une seconde explosion le soir où Gabe est mort. Pour cacher quelque chose, Jed. Un secret qu'ils avaient enterré. Mais c'est quoi ce secret? Quel mystère! Je sais pas ce que c'est. Ni même ce que je dois faire. Mais j'abandonnerai pas. C'est hors de question. T'es fort ce soupirement. Je sais ce qu'il cache. Ouh! Mais oui, c'est lui qui a sauvé les gens! Il était là, lui, l'ancienne mine. Enfin, il travaillait chez Typhon, Jed, c'est ça? S'il te plaît. Ou il travaillait dans les mines, dis-moi la vérité. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Typhon est le diable qui contrôle cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leur secret. C'est lui qui a la clé depuis le début. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Ouais, t'aurais pu le dire depuis le début, connard, quoi. Dis-le-moi. Ça m'aurait évité des soucis. Je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer. Je peux te montrer. Mot pour mot, j'ai deviné, hein. Allez. Là, un peu plus haut. On est où, là? Mais du coup, si c'est enterré, c'est pas très enterré, si on peut nous montrer. Dans cette direction se trouve le site. T'as pour les attitudes du perso. Et fin de par là, tu arrives en ville. Mais c'est pas très enterré, hein, si on peut y aller, en fait. Un conduit d'aération. Il y en a partout. Okay. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées, et elles forment un labyrinthe sous Evan. Oh yes. Est-ce qu'il y a ce des monstres? Ce que tu cherches se trouve au fond. Il viendra pas. Il viendra pas, c'est ça? Est-ce qu'il est avec... Il va quand même pas... Je l'ai vu prendre quelque chose derrière lui, là. Il va quand même pas nous trahir en mode Les Gong. Jed? Pourquoi t'as l'air aussi triste? Ouais, ok. Ok. D'ailleurs, on va lui absorber la tristesse. Tu es triste, arrête. Non, mais là... Je suis désolé, Miss. Bah, mais son arme, il est déjà baissé, l'arme, en fait, donc... Jed? Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de t'empêcher de fouiner, de te faire peur. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Putain, c'est lui qui nous espionne? Mais tu es implacable. Mais quel chien, lui? Impossible de te faire lâcher le morceau. T'es pas obligé de faire ça. Si. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose. Papy Magouille. Ouais, sa moustache en plus, mec. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale à mon fils. J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Va te faire foutre! Voilà! Bon, bah, fin du jeu! On est mort! Let's go!
Je suis fort à ces jeux, hein. Moi pour faire des bons choix de merde, je suis très fort. Yes. Ça n'hésite la Seconde Guerre mondiale planquée. Oh putain, mais non. Mais moi je l'adorais, il avait une belle moustache. Quel enculé quoi. Ah, donc, je suis pas le seul à avoir aspiré la peur, ok. Ok. Alors on voit un peu. Alex ne s'est pas assise au feu de joie. Bah oui, bah flemme moi. Alex ne s'est pas assise sur le canapé. Bah oui, enfin. Ok. Ah, on aurait pu réfléchir un instant de parler à Jed. Waouh. Ok. Ça aurait pas beaucoup aidé. Alors. 22. Embrasse. Ouais, bon, il y a beaucoup qui l'ont embrassé visiblement. Ryan n'a pas retrouvé Alex sur le toit. Donc il y avait. Ok, il y avait une romance avec Ryan aussi. Il y a la plupart qui a fait la romance avec Steph, personne n'a fait la romance avec Ryan. Énorme. Le pauvre. Ah, c'est 50-50 pour Alex et Charlotte, ok. Ah, j'ai dévoilé la maladie. Attends, Alex n'a pas trouvé. Ah oui, donc il y en a plein qui l'ont ignoré, quoi. Ok. Alex n'a pas utilisé son pouvoir sur Ducky. Ducky, t'as... Il y en a plein qui ont ignoré Ducky. Mais pauvre Ducky. Putain, le pauvre. Mais non. Alex a aidé le compteur de bonbons à gagner, ça, évidemment. Alex a aidé la carte du café restaurant avec sa publication sur un café. Ok. 50-50 à peu près. Pousser les deux amis à sortir ensemble, ok. 50-50 également. Ok, bon bah, hop, prochain chapitre. On se fait encore un petit chapitre, là, ça fait quoi? Ça fait une heure que je stream à peine. 1h20. Donc on se fait encore un petit chapitre. Let's gong. T'as réussi à te faire shooter dans un jeu où il faut juste pécho. Non mais, est-ce que tu comprends pourquoi je suis encore célibataire? Te voilà, Alex. L'hétérosexualité, c'est plus à la mode, non, tellement, mec. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? En même temps, c'était plus poussé sur la romance avec Steph qu'avec Ryan. Genre, on a eu la partie baby-foot, quoi. Quelque chose de positif. Le baby-foot. Qu'as-tu appris de ton séjour à Heaven Springs? On va dire... Sneaky... Quoi? Ouais. Je pensais avoir appris ce que ça voulait dire que de trouver un vrai foyer. Ça a dû représenter une belle victoire. Parce que le coup des émotions, bon, elle contrôlait pas tout, trop, hein, donc on va pas mentir. Parlons à présent de ce que tu as ressenti quand tu as compris ton erreur. Je fais beaucoup d'erreurs. Elle est pas un peu giga morte là, je pense, hein. Non, à mon avis, la balle l'a raflée, elle est juste tombée sous le choc, bien, et du coup, elle est pas morte. Je suis fier que tu aies essayé. C'est dans le jeu, il est fini, donc... Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Bah alors, techniquement, j'ai des personnes, puisque... Tu as embrassé une jeune fille. C'est dans sa tête, ça. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Oui, mais une chute comme ça... Bah, t'inquiète, c'est un jeu. Allez, vous avez tort, on va dire. Mange tes morts, moi, je vais dire. Vous avez tort. Angry. Voilà, on est pas content. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Je crois qu'on est vraiment mort en fait. Oh yes. Oh le truc flippant. Bah moi je pense qu'on est dans sa tête. Si on est vraiment mort par contre. C'est juste un méga cauchemar quoi. C'est quoi ce bordel? Y a un truc là. Ah la pochette c'est... C'est les photos ça. Je crois hein. Oh. Oula. Ça doit être moi. Patient numéro 53322. Non mais il y a un magnétophone sur la chaise, regarde. Mais non mais deux secondes, je regarde le moi. Jouer. Avec un magnéto. Oh attends, la guitare. Eh, toc toc. Guitare. Toc. Qui est là? T'es dans l'au-delà, il y a même pas d'écran plat. Ah mais écoute, c'est la dèche partout, hein, c'est la crise. Qui est là? Quoi? Alex Chen. Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Quoi? Bien sûr. Tu parles à des tuyaux à guitare, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, on a le code. Eh ouais, I am a génie. Non, c'est ça, je suis sûr c'est ça. Ouvrir. C'est 5300. Je l'entrais à la main. Ouais, ok, attends. Attends. Donc c'est 5 3 3 2 2. Est-ce que je suis un génie? Pourtant c'est les seuls chiffres hein. Enfin c'est le seul chiffre que j'ai vu pour l'instant, de toute façon il y en a d'autres qu'ailleurs hein. Yes, c'est ça. Allez, dab. Voilà, startup gratuit. Voilà, bah du coup j'ai une guitare, c'est tout. Vas-y, on va jouer un peu. Oh tiens, c'est nous là. Make me dab. Mais encore un, ok. J'en ai offert un gratuit pourtant hein. Je ressemble vraiment à ça. Sérieux? Je suis si moche. Je peux en faire d'autres, ok. Non mais moi je joue de la guitare. On a foutu. Hein? En fait on est dans la matrice, c'est tout. Pas jouer sans la cordée. Mais si, allez. Et pourquoi comme. Qui irait voler une seule cheville? Ah on peut pas. Ok. Ok donc le. Ah, je peux ouvrir ça? Puis je peux juste me barrer quoi. Oula. Évidemment. Yes. Ok. Alors il faut qu'on trouve. C'est quoi ça? Photo de famille? Ça a l'air bizarre la photo de famille, non? Ah non, c'est. Ok, non, c'est bon. Ah la cheville, je l'ai vue! Au docteur Lynn. Elles ne sont pas. Quoi? Ah les photos! Putain, j'ai quoi? Je cheville? Ok, faut la faire sortir de là. Prendre? Attends, téléphone, qu'est-ce qui se passe? Attendez, les façons dont j'ai connu ces derniers temps, le moment est venu de rappeler aux raisons de Helping Ends que les pulsions poussant à quitter notre institution, bien que remboursables, doivent être ignorées. N'oubliez pas que vous avez les dents aiguisées à une fin insaisissable et que vous êtes mou, lent et alléchant. Oh, voyez-vous, vous jetez dans sa gueule, jetez-vous plutôt dans la mienne. Comment je suis revenu ici? Attention, dans les dents, joignez-vous à moi pour acquérir les chaînes autour de Helping Ends. Nous sommes heureux, mais pas surpris qu'Alex ne soit à nouveau soumis à l'étreinte abrutissante et implacable de notre institution. Laissez-nous d'activer les commentaires. Yes! Chercher une patiente, mais encore elle appelle répond au nom d'Alex. Elle passait son temps à gratter la porte pour essayer de sortir, mais elle a été dégriffée, donc sa capacité à se débrouiller est minime. Si vous la repérez, approchez-la avec prudence, elle a l'air amicale et normale, mais nous avons eu des problèmes de comportement par le passé. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver ma patiente, je commence sérieusement à m'inquiéter. Ok! Yes! La joie! Énorme! Trop bien! Yes! Oui, c'est logique. Je suis en train d'ignorer le magnéto et le truc juste pour faire la guitare. Non, vas-y, on va quand même regarder les dossiers et le magnéto. Je sens que le guitare c'est le truc de fin parce que. Vas-y, on va regarder le dossier. Qu'est-ce que ça dit? On va tout lire. Instabilité émotionnelle, accès de violence occasionnelle, hallucination visuelle, hallucination auditive, idéation délirante, dépression, anxiété. Elle a tout quoi! Elle a tout hein! Elle a tout en fait, ouais. Jeté dans un. Quoi? Quoi? Alex est victime d'un délire détaillé et robuste selon lequel elle est capable de lire les émotions des autres et croit que cette capacité la place dans une situation unique lui permettant d'aider les autres à surmonter leur traumatisme émotionnel. Il est difficile de ne pas révéler. Relever l'ironie de voir une personne aussi profondément dysfonctionnelle qu'elle est. Putain, c'est sympa comme truc. C'est pas comme dossier ça. Le mec il te permet de te juger aussi, genre. C'est ironique hein, elle pue la merde! Au moins j'aurais appris le mot idéation. Ouais, moi aussi. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais je l'aurais appris. Alex a adopté le rôle de soutien émotionnel. Si elle n'avait pas été renvoyée dans mon service, je ne pense pas de donner sans hyperbole. Dans l'hyperbole, en spéculant que c'est dangereux, la tentative de réparer ses amis et de sa famille aurait fini par blesser quelqu'un. Je crois que le délire d'Alex représente une menace à son bien-être, ainsi qu'à celui des autres. Cela étant, je recommande qu'Alex soit jeté dans un puits sans fond, son corps brisé sur chaque planche et chaque brique se trouvant sur le chemin du fond jusqu'à ce qu'elle soit oubliée dans les termes souterrains d'un point de vue professionnel. C'est la chose la plus humaine que nous puissions faire pour elle. Ah yes! Alors, je recommande pour mon patient une balle dans la tête.
La surformation et enchaînement des idées. Ok. Allez, attends, mais what? Non, mais. Là, mais c'est 100% délire, quoi. Genre, mais c'est incroyable, ça, quand même. Genre, t'imagines ce docteur? Non, j'ai déjà ouvert ce combat. Ok, alors, Magneto, jouez. Jouons. Ah, jouez, genre, play! Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ouais, me jeter dans un puits sans fond, c'est, j'ai lu le dossier, hein, connasse. Ah, trop bien. Chelou, la prescription du médecin, le traitement tué. C'est tellement ça, c'est... Putain. Change de doc, change de docteur. Franchement, change de docteur. C'est pas ouf. T'imagines, tu vas chez le docteur. Tu dis, doc, je vais pas bien, je me sens mal. Là, il te met un flingue sur la table. Tiens, la prescription. Wesh. Ah. Ok. Pas plus d'un air comprimé par jour. Elle est en train de planer. Oula. 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 Ah ça c'est... Oui c'est... Bah, elle va se réveiller là. Là elle va se réveiller là. Elle est dans le mal. C'est marrant, je dis elle quand j'aimerais pas être à sa place, tu vois. Mais sinon, quand les autres cas, je dis je. Pourquoi elle est pas au sol? Elle tient sur quoi là? Ah, sur une planche, il y a une planche qui la. Ok. Bah, je trouvais qu'elle était transpercée, moi. J'étais en mode attends, pourquoi est-ce que. Ok, ok, ok. Bah, attends, quand ton téléphone, hein. Oh bah! Oh bah! Quel bol ça! Ah! C'est moins de bol ça! Comme de par hasard! Objectif survivre, c'est ça! On est parti de objectif pécho, objectif survivre! Oh yes! Bon bah. Et j'ai rien fait cette fois! Hein. Pas ma faute hein! Là c'est sa faute à elle hein! Moi j'ai rien fait! Chute de quoi à cet étage au calme ou presque. Non mais en fait les chocs des plaques sur le chemin ça a dû amortir la chute. Mais elle a bien morflé hein. T'inquiète pas pour ça, elle a bien morflé. Ah. On est de nouveau Alex. Dans le décès. Ah. Comment on se retrouve? Salut ça farte. T'es mort. Oula. T'es mort. Ouais, moi aussi. Et typo en commun. Y'a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. Oh, la meilleure réplique. C'est vrai que techniquement, y'a plus de morts que vivants. On est dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes. Non, mais pour casser intensifs. Des planches en deux dans une chute, ouais. C'est que c'était très violent. Ouais, mais justement, le choc de ça, ça amortit ta chute en fait sur le passage. D'accord, voilà. C'est pour ça qu'à un moment, elle est tombée sur une planche qui a pas cassé. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Ok. Joue ton rôle. Ça partit en tiltant tellement. Dans la mine, on va voir des... Oula, okay. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, hey, vous deux! Papa? Calmez-vous. Il va y avoir des Wendigo dans la mine, c'est ça qu'ils ont enterré, en fait. Alex, va voir ta mère. D'accord. Bon, je le sens mal, là. Ouais, donc elle est salement dette quoi. Hein, mais t'inquiète. Si elle meurt, c'est soit que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de merde pendant cette play. Soit que... Elle m'attendait. C'était prévu. Mais je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de merde.
poubelle à déchets médicaux. Allez, on va regarder ça. Gay m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille. Bah en fait, c'est vrai. C'est littéralement le principe de ces poubelles. Vas-y, on va ouvrir la vidéo. Putain, les gros plans sur les textures. Textures pas très bien détaillées, tu sais. Ouais, elle a l'air d'aller bien. Il y a beaucoup de mouchoirs, hein. Il y a beaucoup de branlettes ici. Je m'excuse pour cette blague. C'était une blague de merde. Bonjour, maman. C'était immonde, je sais. Maman. Maman. Bien que le père s'occupe aussi, hein. Désolé, je suis désolé. Putain. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est le mot que je cherchais. C'est passé. T'es sûr que t'as rien loupé? Quoi? On est en train d'essayer de... Ok, il faut qu'on... Oh putain, faut qu'on revive ses souvenirs. J'ai rien fait. Stop. Hé, hey, vous deux. Pourquoi y'a Google qui s'est activé la ferme ta gueule, toi? Oh! Y'a mon stream! Voilà! Comment ça j'ai. Qu'est-ce que j'ai oublié alors? Alex. Moi je connais pas tes souvenirs, connard! Oh! D'accord. Attends, y'a un truc là? Non, y'a rien. Ah, peut-être dans journal, y'a peut-être un truc au début? Non? 10 ans slash tristesse. Attends. Ah yes. Non, non, il a conduit parce que blablabla. Je voulais emmener chouchou mon rat parce que j'emmène toujours chouchou. Blablabla. On s'en bat les couilles, mais je voulais. Maman dit qu'il faut. Ok, elle n'était pas aussi. Bah non. Du coup, il n'y a rien. Il n'y a pas d'information là. Putain, je me disais qu'il y aurait peut-être d'avoir d'informations. Qu'elle me donne un. Ok. C'est maigre avant, mais elle est toute maigre maintenant. J'aimerais qu'elle ne soit pas aussi maigre. J'aimerais qu'elle ruine à la maison. Ok. Ok. Du coup, on y retourne. Attends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Ok. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Bonne ambiance. Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. C'est bien Alex ado, genre. Elle est pas vraiment la voix d'une adolescente. T'inquiète. Heureusement qu'il y ait les sous-titres. Changer. Pendant un moment. Du coup, je vais faire un truc avec les clés ou pas? Mais je crois que c'est juste les souvenirs. Hein. Ça va. Aller. Tiens, c'est que les souvenirs, ok. Donc y a rien d'autre. Hein. Je pense. Elle est juste là. De l'autre côté. Je pense qu'il faut laisser faire. Hein. Ok, alors est-ce qu'il y a un truc que je peux faire là? Je peux parler, je peux regarder ça. Je peux regarder ça. Bah écoute, on va lui reparler, hein. Bonjour, maman. Elle va bien. Maman. Maman. De l'eau, Alex. Apporte-lui de l'eau. Ok.
Bah, elle est pas sous. J'ai plus l'eau, ok. Bah, désolé, j'ai plus d'eau. j'ai tout bu, visiblement. Ok. Ah, si, j'ai re-l'eau, ok. ok. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. C'est normal, j'ai pas encore absorbé l'émotion. J'ai pas encore absorbé l'émotion. Pour l'instant, j'ai la peur et la rage. Enfin, la colère. Ça a toujours été ma plus grande T'inquiète. Difficulté. Bientôt, je les collectionnerai tous. Comment on fait pour... C'est une gourde de Gfioul, ça. Qui est déjà aussi... Non, parce que j'en ai une et c'est pas comme ça. D'ailleurs, moi, ma gourde, c'est Sanic, hein. voilà, je tiens à le préciser. Ça m'a coûté très cher, cette gourde. C'est moi, le fond vert Nvidia, il me l'a enlevé la gourde comme un gros connard. moi, je vais montrer mon Sanic et Nvidia, elle a fait nope. Pas de placement de produit ici. Tu es forte. Je veux que... Tu me promets quelque chose. Ton frère. Ton père. Bah, ils sont un peu morts en fait. Toi. Genre. Il faut que tu sois. Ouais. Ils sont un peu morts en fait. C'est un peu. Ouais. Donc, le père, on sait pas s'il est mort Alex. En fait. Je crois. Hein. Non, je m'en rappelle plus. Peut-être à un moment où ça le dit. Ah, il me semble qu'il est mort, je sais pas. Je sais plus. Crever la vieille. T'as l'organisme, ça va Moi je dis que je suis le pire, mais t'es un peu pire que moi là. Comment es-tu devenue aussi courageuse? Je sais pas comment elle s'endort calmement, ça aurait été plus marrant si. Ah, cette fois-ci, on a enfin des émotions. Oula. Oula. Ok, on avait une explosion de joie tout à l'heure, maintenant on fait une explosion de tristesse. Qu'est pas ça. Oula. Ok. Une télé. Ça, faut qu'on arrête de se TP là, hein. on est dans une mine là, la base. Parce que, ok, pour moi on est toujours pas mort. Pour moi elle est toujours en train de triper dans ses hallucinations. Mais si elle continue de triper dans ses hallucinations, elle va vraiment se vider de son sang et crever en fait. Hein. C'était un film en fait, bah. Enfin, c'est un jeu quoi. Ah non, tu veux dire la scène? Ouais, on serait regardé ça à la télé. Bon. J'avais dit qu'il allait se passer une merde, hein. J'avais dit, hein. Au début du stream, j'avais dit qu'il allait se passer une merde. Je pensais pas que ça allait être une merde comme ça, mais ok. Ah, maman. Là, c'est marrant comme dressing, ça. Je crois, oui. Elle te manque ? Non. Jamais aimé de toute façon. Gabe. Même pas, je réponds. Qu'est-ce qui se passe ? Bah t'es morte, lol. T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex, tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. On a des gros flashbacks pour expliquer. Ok. Oui, parce que au début elle était un orphelinat, ouais, en tout genre. Vrai, Max.
Donc là, on va voir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui leur est arrivé en fait quand ils étaient jeunes. Joue ton rôle. Donc la mère est morte de façon. Comment dire. Ouais. Je pensais que ça allait être un coup de le père qui est violent, qui bat sa femme et compagnie, mais non, pas du tout. C'est le père qui est devenu violent après coup en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le père? Par contre, s'il me refait le coup de « Oh, t'as oublié quelque chose » et puis la scène elle recommence, on va vite se faire chier, hein. Il y avait qu'une seule chose à faire, quand ils étaient comme ça. Monter le son, et attendre que ça passe. Yes! C'est un casque sans fil. Chance. Un petit ACDC, ouais, ça tout ira mieux, t'inquiète. Dites-vous que la version DMCA free Mais du coup sans musique on les entend quand même ou pas? C'est la version sans musique. Est-ce qu'on les entend quand même gueuler et elle est en train de paniquer? Alex? Hey. C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Putain, il le refait. Non mais, je vais te lui mettre une droite à lui, hein. Non, tu vas tellement te faire DMCA, mais j'attends que ça, mec. C'est le titre de mon stream, hein. J'essaie de speedrun les DMCA, mais ça vient pas, là. J'ai une mauvaise run, parce que j'ai pas une assez grosse commu. Il faut que j'ai plus de viewers, je pense, pour me faire report. S'il vous plaît, me report pas, par contre, hein, c'est une blague, hein. Ah, j'ai l'impression qu'on est en 2000 avec cette chanson. Bah, mais je crois que c'est le but, hein, parce qu'elle est censée être jeune là. C'est à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse. Pas un souvenir qui traîne? Petit souvenir là? Allez, petit souvenir là? Ah yes! Bonjour Gabe. Ah. Je m'appelle Leslie Aloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Je l'attends, le Bezos. Oh, mince. Avec son vaisseau bite là. Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre, à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? C'est vrai que même si le père commençait à les violenter un peu, le service de protection de l'enfance, il y a les familles d'accueil, je crois que c'est... pas vraiment mieux quoi. Les orphelinats et compagnie, c'est... voilà. Bon, bah du coup on va recommencer à écouter... car mon petit hôtel et tout, ok. Bon, vas-y, on regarde la télé, hein. Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. Ah, quitter. Ah non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Merde. C'est juste un instant zen. Parce que là, c'était pas du tout zen. D'accord. Ah non, c'était bien ça ce qu'il fallait faire. Non, ça déclenche une thématique ou pas? Non. Non, je vais quand même faire un truc, ok. Putain, je me disais, quoi? Est-ce que la maison a été en bon état un jour? Ok. Là, faut qu'on aille... Allez, vas-y, on va déglinguer des gueules. Ah, non. Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc, on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller. On trouvera une solution. Je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire le tapant? Faut bien qu'on mange.
On peut vendre des disques et ma guitare. Et mon corps. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? C'est trop tentant de faire ces blagues. Ne parle pas de maman. Gabe. J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con. Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Ouh! Ouh! Ah. Merde! Alex! Ça va. C'est rien. C'était un accident. Elle est 11 ans en ce moment, bro. Oui, bon, bah, justement, ça fait plus papa, de. C'est plus cher! C'est rien! Non? T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. C'est que des blagues hein, que je fais un jeu dessus. Hein. Comprenez bien, s'il vous plaît. Ah. Ok, parti. Merde. La femme du service de protection de l'enfance. Ah, du coup, il a juste abandonné quoi. Ou quelqu'un. Donc, ouais. Ok, il est parti de lui-même, c'est ça? Papa! Donc le père, c'est pas vraiment... Ouais, ok. Pardon. Non. Papa! Ils sont pas fait enlever par la service de protection de l'enfance, comment dire? Bah, ils se sont rendus compte qu'il est violenté, mais c'est lui qui est parti de lui-même, en fait. Il s'est rendu compte tout seul qu'il leur faisait du mal. Hop, il part avec. La peur. Bah je l'ai absorbé pourtant cette émotion. Ah. On fait des explosions de partout là. Allez. Ah on s... Attends, on est où là? On est dans la mine ou est-ce qu'on est ailleurs? C'est des briques là derrière, je crois pas qu'on est dans la mine hein. Ouais non, on est pas dans la mine. Y'a pas de lit dans la mine. Sinon la mine là, bah la mine, voilà quoi. Ah elle a essayé de contacter son père du coup, ok. Dis, je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas faire ça, ok? Maintenant, il est pas censé être là, c'est ça. Il est juste là pour nous accompagner en mode support émotionnel, en fait. Il le faut. Oui, ça, c'est pas certain dans l'orphelinat aussi. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. C'était pas sorti dans l'orphelinat, on n'a jamais vraiment eu la vraie réponse, quoi. T'as 12 ans, moi 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête! Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermé dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. C'est l'adolescence, ça. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. Grosse ambiance, hein. T'es toute seule. Ouais, bon, quand je disais support émotionnel, je pense que je me suis trompé. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Sacré support, ouais, hein. La liberté ou la drogue ou les deux. Allez, on va peut-être choper un petit souvenir là. Non? Non? Ah, si, là. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation.
Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi! J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain! J'en ai besoin quand je suis coincé dans le dortoir, bordel! C'est un peu con, quand même. Bah après, dans le dortoir, si c'est Alex, un dortoir commun, tu peux te la faire voler, l'autorisation d'en jouer, casser, etc. Si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça! Il va me refaire le coup de « t'as oublié quelque chose, c'est pas passé comme ça !» Je vais leur mettre une, je te jure. Oh là, la musique commence, il va se passer un truc. Il y a des gens dehors là. Yo, what's up? Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Bah si t'adoptes ou t'es en famille d'accueil, généralement les enfants ils sont... ils sont en général un peu perturbés s'ils sont en orphelinat, parce que... Hein, quand tu perds tes parents et que tu te retrouves tout seul, t'es généralement un peu perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, enfin, les enfants... Après, s'il y a des parents cons aussi, qu'est-ce que tu peux, hein? Oh là là là... Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Oui, bah, on a eu la réponse, là, avec les deux autres, hein. Pendant que la scène est là, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est comme ça que ça fait, l'orphelinat? Genre, tu te mets devant la fenêtre et puis ils sont en mode... Elle est jolie, je la prends. C'est ça, ou... Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? Quoi? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? Comment ça, elle est plutôt âgée? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Le mec, il veut sélectionner que des enfants qui sont... De bizarre. Hein? De brisé... Qui ne va pas. Chez elle. Oh yes! Énorme. On dirait des recruteurs dans ton embauche, ouais. Mais ça, les parents qui vont adopter ou les familles d'accueil, ils sont vraiment en mode oh, c'est bizarre, comment ça elle est sensible, comment ça y a quelque chose de... Comment ça c'est des enfants perturbés, je ne comprends pas. Enfin, les gars quoi. Vous êtes cons. Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Yes. Cimer, bro. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Oh yes! Oh oui. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. Oh yes! C'est à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans, t'étais encore une gamine, Alex. Yes. Lâche prise. Mais viens. J'en parte. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Il y a vraiment d'être en mode tu nous as pas gardé ensemble, etc. Et après, ça fait. Non, sois mais lâche en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Fou, lui une droite. Fou, personne lui une droite. Tu as le droit de dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Ah yes, allez. Quoi? On va être en colère? Je sais pas si... Tu as un don. Octogone! Octogone! Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Je vais absorber toutes les émotions de tout le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Et marche. Quoi? Lève-toi et bats-toi. La mine, le retour, enfin, putain, pas trop tôt, hein. Du coup, on saura pas ce qui s'était passé à l'orphelinat, parce qu'il me semble qu'il y avait un truc qui s'est passé à l'orphelinat à un moment, qu'on avait vu au début, en mode, elle était désolée pour quelqu'un, ou je sais pas quoi. Peut-être que c'était expliqué quelque part, que j'ai loupé, ou que je m'en rappelle plus. Ça y est, on est de retour. On va aller défoncer des culs, là.
Et du coup, depuis le début, c'est le petit enculé de Jed, là. Mais du coup, est-ce qu'il va faire du mal aux deux autres, là? Est-ce qu'on va voir encore tomber? Est-ce qu'il va aller, être allé les chercher aussi, eux? Parce qu'il... Enfin, voilà, quoi. Le petit Ryan, il est aussi en level 1, hein. Qu'il faut action immédiate, là. Oh, la fameuse... Ok, la fameuse... J'avais tellement oublié. Alors que quand je l'ai vu, je savais directement que ça allait s'arrêter plus tard. J'avais complètement oublié. La dernière allumette, c'est ça. Elle a morflé, hein, quand même un peu. Hein. On va voir Wendigo, mec. On sera pas prêt. Tu grandis, t'oublies. Bah ouais, mais surtout en plus si tu... Tu vas demander à Léonore des petits conseils pour choper Alzheimer et puis c'est parti, hein. Je devrais pas faire de blague là-dessus, je devrais pas. Est-ce qu'on va rencontrer un clochard? Parce que je sais qu'il y a un clochard qui vit dans... Genre, il y avait un lit dans le truc de la mine. Il y a des trucs qui montent des emplacements pour... Il faut que je trouve une sortie. Pour sans-abri. Clochard, c'est quand même un peu pas ouf comme deuxième mission, mais... On en a jamais vu en fait, donc est-ce que c'est vraiment juste du décor ou est-ce que c'est vraiment un petit foreshadowing? Hein? Bon, on est dans le mal là. Ouh. Ah, un rat mort. Ok, c'est cool, yes. Bonne ambiance. Qui s'entremêle, comme disait Jed. Au moins il a pas menti. Et la question c'est il est mort par quoi? Il a l'air d'être mort de faim. J'ai décidé de ne pas prendre ça pour une prémonition. Mange-le, hein. Reste bloqué là pour un petit moment, hein. Le dîner est là. Même ça, j'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Alors, elle a encore de l'humour. Qu'est-ce qui se passe? What? Ok. J'ai appuyé sur avant, elle a fait un petit demi-tour, là. Depuis combien de temps c'est là, tout ça? Oula, ça a l'air d'être grand, ici. Qu'est-ce qui... Et des machines. Et des projecteurs aussi. Peut-être moyen d'allumer la lumière. Il y aura un cadavre. Bon, à 100%, il y aura des cadavres, ouais. Et je crois que l'erreur de Jed, à mon avis, c'est des trucs... Yes! Je peux le faire! Ah, je peux voir les auras! Je peux le faire! Avec. Elle fait quoi là? Ah, c'est bon, on revoit quelque chose. Ouais, on va avoir une aura. C'est bien quand même comme pouvoir, tu vois. Bon. En même temps, j'ai le téléphone. Je crois que le téléphone, elle l'a soit complètement oublié, soit... Ah, quoique. Il est cassé. Il est 100% cassé, le téléphone. Mais du coup, c'est bien pensé, hein. L'air de rien, c'est bien pensé. C'est extrêmement bien pensé, ça. Tiens, on tient le... Je tiens à le préciser, je tiens à le noter. Cette aura est ma seule et unique piste. Comme par hasard, c'est le générateur, tu sais. Ou alors ça va être une pile de cadavres. C'est une aura rouge en plus. Allez les gars, on y est presque. Oh là 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 là, non, c'est pas le générateur. Pour la vie, pas vrai, Jed? Mineur maudit, hein. Tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Typhon essayait d'enterrer. C'est rouge.
Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement... Doucement... Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Si c'est pas des cadavres, ça serait étonnant, mais... Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on tire, tout de suite! Il reste des hommes en bas! Ils vont se noyer! Ouais, et nous aussi, si on se mine pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez, tout le monde, on sort! Tout de suite! Et du coup, je m'enfonce de plus en plus, en fait. Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Par contre, ouais, sauter, ils ont pas été ouf, hein, parce que... Il y a encore une belle ouverture, hein. Ah, ouh, c'est en dessous, en fait. Ouais, c'est en dessous, en fait. Bah, si c'est pas un corps... Ça devient évident à ce point-là que c'est un corps, en fait, y'a pas besoin de mettre de suspense. C'est pas un corps. Hein? Papa. Pardon? Ouais, pardon? Oula. Faut que je mouche, moi. Jed! Reviens! Jed, espèce de connard! Jen, arrête, mec. Yes, Jed! Putain de merde, Jed! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Est-ce que c'est pour ça que le fer il est venu ici en fait? Je m'en veux tellement. Est-ce que le fer il était pas à la recherche du père aussi? Et c'est pour ça qu'il était là? Sinon c'est un sacré hasard quoi. Hein. Sinon c'est un putain de hasard quand même. Ah du coup elle s'est servi du truc pour refaire la lampe en fait à mon avis. Que la frère est mort. Oui, mais le frère il est mort après, mais je veux dire, il est. On l'a rejoint parce qu'il vivait ici, à la base. Est-ce qu'il était pas. Il avait pas déménagé ici parce que justement il était sur la trace de son père et qu'il essayait de le chercher? Et que bah justement il est mort donc il a jamais pu nous le dire. T'as vécu mais son frère non, ouais. Ok, elle a enlevé une pancarte, énorme. Et mais Georgette l'a sûrement buté. Tu veux dire le frère? Et non mais le frère il est mort depuis longtemps, mais il est mort début du jeu le frère. J'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs. Et oui il est mort à cause de... plusieurs générations. Enfin indirectement parce qu'en fait justement il est mort parce qu'ils ont voulu enterrer ça quoi. Le nom de chacun de ses clients. En vrai le frère aurait pas été mort, ils auraient jamais découvert tout ça. Hein. Une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté. Toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Et du coup, là, techniquement, on peut porter plainte pour tentative de meurtre, non? Là, on peut aller à la police, je pense. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça.
Gros, si elle débarre dans le bar en mode « Wesh, salut les bros, je pète un câble. Va chez les flics, va chez les flics. » Non, elle est là. Ah bah, il y a un flic. Non, c'est bon. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, elle peut rester là. Non mais genre, le frère avait... bien avant sa sœur est mort par Jed, mais Jed n'a pas réussi à tuer comme son frère. Non, son frère il est mort par un accident en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? On l'a vu au début. Je sais pas si t'étais là, mais au début il est mort par un accident, on était là en fait, hein, justement. Il a pas aimé ce que j'ai à dire. J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi ? Alex, t'es blessé ? Sandek. Tu as besoin d'aide ? On peut le 911 pour l'envoyer à l'hosto. J'avoue, ouais. Et Jed Lucan aussi. Tu veux vraiment cette tête là ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es parfaitement au courant. Fils de chien ! Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Bah, il a surtout essayé de nous tuer. Non mais c'est... L'histoire est c'est une meilleure preuve. T'es littéralement un putain de témoin. T'es, il a essayé de te tuer. L'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Tu peux... Non mais comment commence par la tentative de meurtre. C'est plus crédible, vu ta gueule. La tentative J'ai de meurtre. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs... était mon père. Tentative de meurtre ? Lui dissimuler non. Ça. Non. Au cas où, ça risquerait d'affecter le vote. Non, mais il a essayé de nous... Bah, ils ont peur, en fait. Hein. Tout le monde est mort de peur dans cette société. Tout ce qu'ils font, c'est pour se protéger. Alors, ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Non mais la tentative de meurtre, c'est quand même... le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Oui mais, et toi t'as failli mourir aussi. J'étais au courant depuis le début. faut commencer par là. C'est ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et... C'est plus facile à prouver en fait. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Il a voulu me tuer moi aussi. Il fait vraiment cette tête là ? Genre, mec, tu t'attendais à quoi ? Que j'allais faire genre salut, j'ai juste trébuché, je veux bien. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? Ah, tout le monde est au courant. Non, tout le monde est au courant. On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Allez. Toi, je t'ai rien demandé. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. C'est quoi la douille là ? Ces accusations sont... Oui, non mais la tentative de meurtre, putain. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très... Mais non, mais c'est lui qui m'a fait tomber... Elle explique mal aussi, elle raconte très mal. Connasse. Nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Il aurait dû commencer par tentative de meurtre, parce que... Ta seule famille, n'est-ce pas ? Dire, je sais d'aller dans la mine, bah forcément, ça explique ton état en fait. Alors que, bah, il essaie de me buter, lol. Quelque chose là qui du réconfort et... raconte mal vie moins injuste. Mais conne ! Tout le temps conne ! Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves ? Et j'en ai trouvé ! C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler ? Ah, c'est vrai que c'est son père, en fait, Jed. Non ? Ok, ouais. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... Je sais pas. J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Fallait commencer par tentative de meurtre, quoi. Et je pense que... Qu'est-ce qu'elle parfois, est... Parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux... qui essaient de nous aider. Oh là, je lui en mettre une, hein. Tu as essayé de me tuer ?
Voilà! Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! Mais elle la raconte pas aussi que c'est lui qui nous a emmenés dans la mine! S'il vous plaît! Elle raconte mal, elle raconte que dalle, elle raconte la merde! Je sais que c'est difficile à accepter. Et lui, la moitié des déviants. Oh là là. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. Mais du coup, j'aurais dû pêcher l'autre mec en fait, parce que l'autre mec, ça aurait été plus dans l'embarras pour le père. J'aurais dû pêcher l'autre, désolé hein. C'est stratégiquement. Il fallait pêcher Ryan. J'aimerais parler. Ah, comme je les ai aidés, du coup ils vont me croire. Cette femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. T'as de qui veut me pécho, hein ? On devrait la prendre au sérieux. De qui? Tu n'aides pas. Bah si. Connasse. Salope. Alex. Ma chérie. Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Oui mais moi j'ai pas Alzheimer. De tout ça n'est pas faute. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Mais faire face toute seule. Oh là là. Non. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Nous sommes tous inquiets pour toi. Laisse-nous t'aider. Charlotte. Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus un yes. Bon bah j'ai juste aidé Ducky, visiblement, y'a que Ducky qui m'aime bien. Tu es Gabe. Yes. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Ah, j'aurais dû lui laisser sa colère en fait, comme ça sa colère aurait divergé vers... chez toi, Alex. Vers Typhon, tu sais. Dommage. Et maintenant, chez moi aussi. Oh, un peu ma faute. Je peux pas t'aider. Pardon. Là, c'est littéralement le jeu qui est en train de faire. Lol, t'as fait le mauvais choix. Chet. C'est littéralement ça, là. Hein? T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, chet! Les USB pleines d'enregistrements. Chet! Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Ça fait de la merde. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. Oh, il est content. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair yes, dans ton jeu. Yes, yes, yes. Je allez, ne me provoque pas, Jason. Allez, mon gars. C'est mon gars sûr, ça. Vas-y, Pikey. J'ai plus peur de toi. Yes. Ni de toi, ni de Typhon, ni assez, de... ça suffit. Non. Mike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Vas-y, déglingue-la. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions... Tu devrais peut-être songer à te réviser. Arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur. Jack, je pense que tu devrais te calmer. J'aimerais parler à vous. Je suis très inquiète. Je veux dire, je suis désolé. Je suis vraiment désolée. C'est un ramassis ah bon de conneries. Non, mais je crois ça pas. À la farce. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis plus ton petit chien. Quoi? Mon père n'est pas un assassin. Bah, il a failli l'être. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? Putain, fallait que je le pêche au lui, quoi. C'est pour ça qu'il faut un autre merde. Responsable. Ah, fallait pêcher au Ryan. Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir! C'est pas vrai.
Va chier, Ryan. Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement. Arrêtez. Oula, oula, Super Saiyan. Oh, je vais vous dégommer la gueule. Oula, what? 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 Quoi? Je suis en train de créer des zombies, là. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Yes. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. On cherche à l'énerver, là, je crois. Détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Raté. Ouais, c'est un raté, vas-y. Il a commis beaucoup d'erreurs. Bon, c'est pas ça que j'ai choisi, moi. Il n'était pas un bon père. Il est venu ici pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais tu l'as tué. Et Gabe. Octogone. Mon grand frère. Défonce-lui la gueule. Oh. Alors, entre les trois trucs là, le plus comment dire, le plus agressif, c'est ça. Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon. En s'adaptant. Alors, il vire au bleu. Du temps. Ça le rendait tellement nerveux et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Et il est mort. Ah, ça vient reviolet ? À cause de toi. Il y a toutes les émotions, là. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Evan m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Vas-y, trouvez la place. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. Ah, les bons. Le bon à dub. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. Il pré-shot le son. Il va dire quoi? T'as oublié? Pas vrai? Hein? Il y a aussi l'Alzheimer. T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Bah il aime pas, il aime pas trop dire que c'est un héros. Bah, on s'en rappelle à chaque fois qu'ils disent t'es un héros machin, il arrête pas de dire non, etc. Il aime pas se rappeler. En fait, il aime pas se rappeler de l'histoire de la mine. Donc voilà, on va dire que c'est. Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit. Un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve ? Égoïste ou lâche? Parce que pion, bon, il a quand même essayé de nous buter. il a quand même dépassé le stade de pion. Donc égoïste ou lâche? Mais je sais pas, là j'hésite entre les deux quand même.
Moi, je serais plutôt tenté égoïste, quoi. Parce qu'il a quand même carrément essayé de nous buter, hein. C'est pour... Faut avoir des couilles pour essayer de tuer quelqu'un. Je sais pas. Ouais, égoïste. Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu étais trop égoïste pour le dire à haute voix. Bon, c'est pas vraiment... C'était vraiment ça que je fais référence, moi, mais... T'avais trop à perdre. Ok. L'amour de ta femme... Le respect de ton fils. Le confort et la facilité avec lesquels tu menais ta vie. Tout ça comptait plus à tes yeux que la vie de ces hommes. Après, si on dit que c'est un égoïste et que ça l'est pas vraiment, je vois bien que ça va l'énerver, il va vouloir débattre et il risque de balancer la vérité. Il faut aussi penser à ça. Manipulation. La vérité est cruelle. Parfois, tu l'insultes, ça va l'énerver. Qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie... Gros, si à la fin de ton speech, il est en mode « Je vois pas de quoi tu parles !» et qu'il emmène dans l'hôpital psychiatrique, franchement, je pète un câble. Et elle aussi, je pense. Sale merde, c'est parce que je suis une merde que je suis... Une merde quoi ? Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Mais bon, Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Quand même essayer de tuer quelqu'un, là, hein. Et plus tu nies cette haine... Qu'est-ce qui se passe si tu insultes ? C'est ça. Plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Moi, je pardonne pas, hein. Il a essayé de nous puter, littéralement, hein. On peut pas pardonner ça. Genre, il a vraiment pointé une arme et fait pan. Tu crèves, lol. Genre, tu peux pas revenir et dire je te pardonne. Genre, non. Désolé, mais moi, c'est non. Hein. Et je te dénonce. Et genre, tu chiales, toi, mec. Boss final atteint, c'est ça. Il y aurait pas eu la tentative de meurtre. J'aurais pardonné, tu vois. Mais là, il a quand même fait. Salut. J'aimerais que tu meurs, s'il te plaît. Une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sa responsabilité il y a 12 ans. Et ma tentative de meurtre, s'il vous plaît. Dissimulation reposant sur une. Oui, et. Gabe Chase, oui. Un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue. Mais et ma tentative de... Non mais il a essayé de tuer quelqu'un aussi. Nous vous en disons davantage. Non mais sur cette histoire en cours. Il y a une tentative de meurtre aussi. Genre le coup 1 c'était un accident, le coup 2 c'était un accident. Il y a eu une tentative de meurtre. C'est un peu... Non ? Non mais les gars, la tentative de... Pff, ok, super. C'est pas... Non. Le silence est encore pire. J'ai besoin non, de mais... prendre l'air. Pourquoi il parle pas de la tentative de meurtre ? Les gens, c'est quand même... C'est... Je suis seul à voir que c'est grave. Genre, il a quand même pointé une arme et tiré. J'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Il passe quoi, là ? Là, j'essaie de trouver... Ok. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Les SMS, ça dit quoi ? Ouh, il y a des SMS là. Ah, Diane, elle a rien dit. Jessica, c'est qui ça ? Si, Jessica, de la Gazette des Rocheuses, excusez-moi de vous contacter. Donc, Yagar, je sais que vous avez vécu des moments.
Une histoire au sujet de la polémique de Typhon. Oui, on va parler finalement, ça me met mal à l'aise de parler pour l'instant, ok. Attends, il a marqué quoi à la fin? Votre malaise serait ma priorité pour... Ah, vous mettre à l'aise! Oh putain, j'ai inventé des mots dans ma tête, genre... J'ai cru vous mettre mal à l'aise, vous serez ma priorité... Non, c'est vous mettre à l'aise! Ok. Waouh. Tac, Ok, alors qu'est-ce qui sera... Alors... Ryan, petit enculé. C'est sûr que tu pourras me pardonner un jour. Non! Non, c'est bon. Ta-ta-ta... Ouais, bon, lui, c'est normal. Ah, de qui? De qui, le El Famoso? Qu'est-ce qu'il raconte, Mac? Mac, il était même pas là, en fait. Tu peux courir, ok. Elle raconte quoi, elle? MDR. Je t'ai trahi. Ouais, bah, c'est parce que, on va dire que j'ai fait des mauvais choix. Qu'est-ce qu'il veut, le gamin, là? C'est sa faute à lui à la base, hein. Je rappelle que c'est moi à la base, c'était lui qui était en train de crever, hein, pas le frère. Je rappelle. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est. Ok, c'est les médias. Ok, c'est un mec chiant. Et là, il se passe quoi? Ah, ça, c'est quand j'étais dans la mine. Ok. Ok, bon, après un effort. Putain, qu'est-ce qu'il veut encore lui? Ta gueule, toi. Tu prêmes de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Il se passe quoi, là? Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. Yes. John. Et non, mais je... Je suis un bosseur, et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Ah, les mineurs maudits, c'est vraiment les mineurs qui étaient destinés, genre, au cas d'accident, bah, lol, t'y passes, quoi. Genre, Toujours à veiller sur moi, hein, Pike? Ok. Attends, c'était quoi la note? On va voir. Toujours à veiller sur moi, hein, Pike? Ça, c'est Jed, après tout ce qui se passe. Ah, il y avait même gardé les vestes et tout? Oh, le pire! Putain, le mec! Écoutez l'entretien, hein? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute. Alors, il y a eu plus qu'une inaction, hein, alors, t'as agi en fait, mais juste du mauvais côté. Tout le mal et toutes les souffrances que j'ai. Policier plus, hein, mais ouais. Je ne cherche aucun pardon. Bah, t'as intérêt, connasse! Le kill. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Oh si, c'est quand même une bonne victoire. Ah, carte de visite d'avocat. Peut-être bien. Ouf, que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Bah en vrai... La tentative de meurtre. Non mais vraiment, la tentative. Personne va. Genre, il y a une tentative de meurtre, les gens. Genre, vraiment. Fais quelque chose. Pourquoi tout le monde cherche à l'oublier là? Il y a eu une tentative de meurtre. Pourquoi personne n'en parle? Oh, Steph. Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que je me lance. D'accord. Que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Et ça m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors, voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde. Enfin, non, mais... Est-ce que je peux dire non? Et si tu imagine. Préfères rester ici, alors... Ah non, du coup, ok. Ah, merde. Ok, c'est pas... Je veux rester ici aussi. Y'a même pas eu le choix de... On peut partir. Genre, on aurait pu juste partir avec elle, tu sais, genre... Mais non. Genre, ok. T'as déchiré ton billet de bus. Je peux en acheter un autre. Ou pas. Ok.
Ce que je veux dire, c'est que je suis là. Quoi que tu décides. Après, ouais, ça se recolle, bon. T'imagines, tu vas dans le bus, tu montes ton billet re-scotché au contrôleur. Tu m'as donné de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le... Si là, il me donne le choix, je laisse un silence bien longtemps pour faire genre, je réfléchis encore. Tu sais où me trouver. Ah non, c'est après que je fais le choix, Jeff. Évidemment. Tu m'as donné de quoi réfléchir, c'est genre, je veux réfléchir maintenant. Oh. J'ai mal compris. Du coup, je pense que là, c'est un peu genre le prologue, hein, parce que j'ai l'impression que l'histoire est vraiment finie. On a eu toutes les révélations. Ça y est. Allez, tu peux me le dire. Quoi ? Mon avenir. Ce que je dois faire. C'est un flashback ou elle a pété le un câble ? Le soir du festival. Steph a tout fait pour me convaincre. Elle a pété un câble. Pas un flashback. Jouer sur les routes. Le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. En plus, le fantôme, il dit vraiment ça, quoi. Il dit vraiment en mode... Après, est-ce qu'il y a encore Jed? Parce qu'en vrai, rester à Haven, ça foutrait un sacré malaise s'il y avait encore Jed. On va pas se mentir. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail. Des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi mais Jed, il est emprisonné, je pense. Ouais, j'espère, hein. Ouais, t'as raison. Mais le truc, c'est qu'après, s'il le poursuit juste pour accident... volontaire, involontaire, ou je sais pas, mes couilles... Mais pas pour la tentative de meurtre, il n'y a pas d'emprisonné longtemps, hein. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Parce que tentative de meurtre, allô. Quoi? Tu es jeune. Mais il est chiant, avec un peu d'argent, des amis. Décide-toi. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Ouais, la musique, c'est stylé. Non, tu devrais Il a fait partir. Pan, bordel. T'es sérieux? T'imagines au tribunal? Il a fait pan. Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin de mon grand frère. Bah, Rip, il est mort. Désolé, hein. Je suis désolé. Je sais. Mais du coup, elle voit les morts aussi. Genre... soit elle a vraiment pété un câble, soit son pouvoir aussi, ça fait en mode « Lol, tiens, tu vois les fantômes, ça. Tiens. Hein. » Tiens, prends ça, un écran noir. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Non, mais elle peut même voir l'avenir, quoi. Tu n'es pas dedans. Quoi? Et Steph non plus. Elle est cheatée. Non, mais... Maintenant, tu vois l'avenir aussi? La vie continue. Tu travailles au magasin de disques avec Steph. Air guitare. On voit tout avec ses lunettes magiques. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Ah non, il va nous dire les deux chemins, je pense. Le temps fait son œuvre. Là, il fait en mode voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Non, si je pars et après peut-être qu'il va nous dire voilà ce qui va se passer si on, enfin si je pars pas et si, voilà ce qui va se passer si on part. Peut-être, je sais pas. Voilà, vraiment genre il voit l'avenir en mode lol, je sais que tu prendras pas le bus en fait. Truc que j'ai retenu, le mot idéation. C'est ça. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi.
Ça, la morale de l'histoire. Idéation. Danger cougar in area. Jed. Typhon. Même moi. On commence à passer en arrière-plan. Ah, les armes disparaissent, on se demande pourquoi. Bizarre ça. Les regards qu'ils jettent pendant qu'il y a un gamin à côté, quoi. Ils sont en train de jouer. Ils vont se mettre à spé... Elles vont se mettre à spécho devant le gamin, tu sais, pendant le jeu. Tu joues chaque semaine pour un groupe de fans qui t'adorent. Le malaise. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes, partager ta musique avec le monde entier. Le gamin en mode le dé. C'est ça, mec. C'est ça, tu sais. Genre, c'est lui qui. C'est lui qui vient de jouer en plus, je crois. C'était. Elle est en train de expliquer son action à lui, puis là d'un coup elle se met à. Elle se met à pécho sa meuf. Genre... Pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour. Tu regardes autour de toi et. Tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Bah du coup, on sait ce qui va se passer sur Rez, donc on part pour découvrir. C'est le mec, tu m'auras spoilé ma vie. Pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. J'avoue, c'est pas. Après, c'est pas fait. Tu découvres c'est pas ton futur tu t'es en fait. Tellement battu. Tu fais un peu chier si tu connais ton futur, non? Très longtemps. En vrai. Tu vis tout simplement. Je commence à me poser des questions existentielles là. Parce qu'en vrai, moi, il me raconte. Genre, il y a un mec qui me raconte mon futur, je vais dire, non, ok, non, bah nique ta mère, je me casse. J'ai envie de découvrir, moi. Tu crois vraiment que je. Beaucoup chier, mais ouais, genre. T'as déjà commencé. À part s'il rentre dans les détails, toi. Grâce là, à s'il temps, raconte même la fin. À ta musique. En étant toi. Mais Alex. Ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Je viens de te donner bien envie de rester, mais mais ça veut pas dire que tu dois rester. Je sais pas te croire, hein, c'est pareil. Faire quoi, aller où? Bah faire quoi, de la musique, évidemment, mais aller où, c'est la question. Bah dans, la, dans l'océan. Je suis censé aller. J'ai pas d'autre ultime. Ça, c'est vrai. À la fin, t'avais pas de maison, tu meurs. Pour venir ici, oh, et regarde ce qui il m'a passé. Spoilé ma vie. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, il y en a un qui l'a bien détaillé, donc on sait déjà ce qui va se passer. Et l'autre, on peut découvrir, donc si ouais, c'est plus fun. Pourquoi c'est rouge? Moi, je dis partir à l'aventure, hein, let's go. Hein. Je sais ce que je veux. Il est plus là. Moment de solitude. Attends, il était mort hein, depuis longtemps, donc il s'y attendre. Tu parles toute seule, connasse, j'avoue. Il n'y a plus de son, là. Allô? Ok. Ok. C'était quoi, cette scène? C'est... Oui? Non, mais en fait, c'est-à-dire que... Oui? Quel joli son, ouais, non mais c'était quoi ça? Ah oh oui, j'ai oublié Ducky, moi, Ducky est trop bien, non, fallait que je reste. Mais du coup, il n'y a que... Ah oui, mais il n'y a que les deux là qui me supportent parce que c'est les deux seuls qui m'aiment bien au final, et du coup, les restes, ils s'en battent les couilles de moi. Donc c'est pour ça que... Donc ça veut dire qu'il y a...
À mon avis, il devait y avoir un passage, enfin, comment dire, un chemin où à la fin tout le monde t'aime bien, quoi. Mais là, il y a vraiment que les deux là qui m'aiment. Bon, heureusement que je me casse alors. C'est bon. Vas-y, je me tire. Putain, il n'y en a que deux qui aiment bien cette ville, quoi. Putain. Non, mais j'ai bien fait de me barrer, hein. Je passerai juste pour les voir eux, tu sais. Enfin, mais Léonore, mec, l'Alzheimer, je l'ai aidé de ouf. L'autre, oh non, je t'aime pas, salope. Ah non, non, Eleanor, elle a oublié. Non, c'est pas sa faute. Faut pas s'énerver contre elle, elle a oublié. Enfin, probablement oublié. Oh, qu'est-ce qui se passe? Déchire tout, yes. Attends, mais du coup, ça veut dire que... Attends, elles sont parties depuis longtemps, etc. Mais elles sont pas envoyées de message entre-temps. Et le SMS a disparu. Ok, il est là. Genre, elles sont pas envoyées de... Attends, tatatata. Ouais, ils sont pas envoyés de message depuis... Attends, ça fait combien de temps, là? 13-17, 26-05, 13-07. Ouais, non, c'est plusieurs mois qu'elles sont pas envoyées de message alors qu'elles sont parties ensemble, quoi. Bon, après, elles sont parties ensemble, non. Vraiment intérêt d'envoyer des SMS, mais... T'as voulu que deux qui viennent? Bah ouais, clairement, petit plan à trois, là. Parce que les couples, c'est surfait. Hétéro, homo, bi, je sais pas, c'est surfait. Maintenant, il faut plus que deux. Faut innover un peu, quoi. De qui le coquin? Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin du jeu. Franchement, bon jeu quand même, hein. J'ai fait pas mal de choix de merde. Après mon but après mon but premier c'était quand même de buter un enfant, donc faut pas s'étonner si j'ai fait des choix de merde. Après que j'habite rien, je voulais juste tuer un gosse. Voilà. Ça c'est dit. Bon, j'essaie de jouer quand même un peu sérieusement, mais fais bien que je me tape des barres. Mais franchement bon jeu. Et il y a un DLC. Malheureusement, ça fait déjà presque 3 heures que je stream, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour cet après-midi pour moi, enfin non, c'est le soir même pour moi en fait. Voilà. Mais du coup, on se retrouvera probablement la semaine prochaine pour le DLC. D'ailleurs, je tiens à redire, pour mes streams, là je m'étais mis à faire des streams le mercredi, samedi. Et je pense que je vais arrêter le mercredi. Je vais arrêter les streams le mercredi, je l'ai pas fait ce mercredi d'ailleurs, c'est pour ça. Et je réfléchis à faire des streams le vendredi. Vendredi et samedi. Après bon, faut que j'ai la motivation, quoi. Voilà. Mais je vais essayer de me tenir quand même au samedi. Samedi, au moins, tous les samedis, j'essaie de stream. Je tiens à le dire. Entendu. Entendu, Captain. Voilà. Bon, la musique, elle est sympa, mais y a pas une scène post-read. Ok. Oh, les stats. Alors, Alex, c'est parti. Ah, y a que 50... C'est quand même quasiment 50... C'est quand même assez serré, hein. On va pas se mentir. C'est assez serré, hein. À dénoncer les actions de Jed. Pourquoi? Comment ça va? Il essaie de nous buter, putain! C'est quoi ces 72% là? C'est... Bande de bisounours! Wesh! Il essaie de nous tuer! Le tentative de meurtre, pourquoi personne n'en parle? Je pète un câble, moi. D'ailleurs qu'elle avait appris que ça signifiait avoir un foyer, d'ailleurs qu'elle avait appris à ne pas craindre ses émotions. Ouais, bon, c'est à peu près 50-50. Tous les membres du conseil ont soutenu Alex 13%. Aucun membre du conseil n'a soutenu Alex. Oh, les pauvres 4%! Oh, les pauvres 4%! Oh, yes! Ouais, du coup, il y a 13%. En vrai, du coup, ça a l'air de quand même être chaud de se faire soutenir par tout le monde. Hein. T'as juste foutu la merde dans une ville, pécho une meuf, et t'es parti avec... avec un mode badass. Tellement ça. Et à la base, je voulais tuer un gosse. Je suis le pire. Alex voulait jouer sa propre musique à l'avenir, 12%. Ah, je savais pas qu'on pouvait. Alex voulait trouver sa place quelque part un jour. Ouais. Voulait aider plus de personnes à l'avenir, 46%. Ouais, ok. Ah oui, non, c'était dans le dialogue. Alex s'était pas assis sur le lit. Ok. D'accord. Oui. Alex n'a pas vu rien après le vote. Bah oui. Legit. Alex n'était pas prêt à prendre Ryan. Ryan a soutenu Alex pendant le vote. Alex a pardonné à Ryan. Merde! Du coup, on pouvait revoir Ryan! Parce que moi, du coup, j'étais chaud à le pardonner, hein, parce que c'est vraiment pas sa faute, hein. Il aimait son père, c'est normal, en fait, moi, je trouve, hein.
Moi, je t'ai chaud pardonné, en fait. C'est vraiment pas sa faute, quoi. C'est le père que je voulais juste pas le pardonner parce qu'il a quand même essayé de nous buter littéralement, quoi. Genre en mode, je pointe mon arme vers toi et pan et tu meurs, quoi. Genre, ça aurait été. Enfin, ça aurait été autrement, je l'aurais pardonné, tu vois. Mais là, il a quand même fait une tentative de meurtre, le mec. C'est. Non, mais. Tu vois, t'attends le dos à Alex, salope. Eleanor a proposé d'aider Alex. Alors, c'est rangé du côté d'Alex, mais ok, bon, salope. Pack s'est rangé du côté d'Alex, merci. Ça c'est mon gars, ça, mon gars sûr. De qui s'est rangé du côté d'Alex pendant le vote? Mon gars sûr aussi, ça. Rien avec Cruget pendant le vote. Connard. Rien Alex ne sortent pas ensemble. Ah, oui, bah oui. Enfin, en même temps, 71%. Sauf Alex qui t'avène ensemble. Ouais, ok, bon, là, c'est assez sérieux. Mais en fait, Ryan, c'est la victime, gros. Il n'y a personne qui a tenté de pécho Ryan, hein. Il n'y a personne qui a tenté de pécho Ryan. Genre, c'est ouf. C'est assez ouf, hein. Après, ça se comprend quand même parce que Ryan était vachement très peu développé, j'ai trouvé, hein. Ah si, il y a quand même une scène. Si, si, il y avait. En fait, il y avait la scène qui était comme celle du baby-foot, mais sur la falaise, là. Mais c'était pas vraiment comme le baby-foot, je sais pas, il y avait. Ouais. Ryan, c'est juste une grosse victime, en fait, hein. Personne n'aime Ryan. Enfin, si, il est sympa, mais genre. Voilà quoi. Bon bref, du coup, nous avons en DLC joué à l'histoire de Steph, que je ferai donc au prochain stream, comme je l'ai dit à l'instant. Du coup, c'est la fin de ce stream pour ce soir. Squalala, nous sommes partis. T'as pré-shot l'organiste. GG, franchement, GG, j'ai vu ton commentaire pop au même moment. Franchement, GG. Du coup, beau pré-shot, beau. C'était beau. Et du coup, bah très très bon jeu, hein. Franchement, Life is Strange, toujours toujours excellent. Juste la version DMCA Free, en mode on enlève la musique. Soit c'est les devs qui ont fait ça en mode, les DMCA ça pue la merde, donc du coup on va faire une version qui pue la merde pour dénoncer ça. Et dans ce cas-là, bah GG à vous. Soit c'était juste des grosses feignasses, et dans ce cas-là, allez vous faire enculer. Genre vraiment, il n'y a pas d'entre-deux, là. Enfin, c'est pas les devs, c'est vraiment la boîte de développement, parce que c'est pas les devs qui font la musique, hein, c'est évidemment c'est tout un studio. Donc soit c'est vraiment le studio qui est en mode feignasse, soit c'était vraiment pour dénoncer justement les DMCA qui puent un peu la merde. Donc voilà, ça c'est mon point de vue là-dessus. Mais sinon, ça reste un très bon jeu avec les musiques. Je pense que sans les musiques, ça serait totalement différent. Il y aurait vraiment très peu même ressenti sur beaucoup de scènes. Ça serait quand même un jeu très, comment dire, scénaristique en fait, hein, scénarisé. Avec beaucoup de scènes, avec une... sans la musique, ça rend pas bien, quoi. Sans la musique, c'est juste mauvais, quoi. C'est juste nul. C'est pour ça que d'ailleurs cette scène au début était hilarante. Elle était hilarante pas pour les bonnes raisons, parce que elle était tellement nulle. Bref, voilà. Et du coup, bah conclusion sur ce jeu et morale de l'histoire, idéation. C'est tout ce que j'aurais à dire. Non, franchement, très bon jeu. Et je n'aurai pas de grand chose à dire de plus. Donc voilà, donc on va se quitter là pour ce soir. Et moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, amusez-vous bien.